500 mètres déjà. Alors qu'on vient de passer un kilomètre du sommet, eh bien il est décroché maintenant. Il a 10 mètres de retard. Mais il est en train de perdre du terrain pour l'instant, mais il continue à s'accrocher. Hein. C'est un coureur courageux qui est en difficulté et qui aujourd'hui sur une étape difficile eh bien, se bat bien. Il s'accroche alors que devant, bien sûr, les coureurs continuent d'accélérer, notamment les CSC, c'est normal. Hein, mais Sandy Cazard, bien sûr, ça ne va pas l'arranger ça. Lui qui commence déjà un petit peu à accuser la fatigue certainement sur cette pente difficile et le col de Bagargui risque de lui être fatal. Tout comme d'ailleurs Marc Wauters et David Latassa qui font aussi l'élastique depuis un petit moment. Là. On voit très bien, là, on devine très bien la rudesse de la pente dans cette côte de Larreau. Après cette côte de Larreau, eh bien, il y aura 2-3 km de descente et on commencera le fameux col de Bagargui. Oui, oui, c'est tout petit peu moins que ça Bernard, mais ça y ressemble. Thierry. Oui, ça saute derrière, évidemment, hein, les premiers lâchés. Zampieri qui n'a pas seulement des problèmes de chaussures, des problèmes avec les jambes aussi. C'est une certitude maintenant. À côté de lui, le petit Dumoulin qui a payé ses efforts de ce matin. Pradera aussi. L'Andalouse, maintenant, après avoir beaucoup travaillé devant, se retrouve derrière. Et un peloton qui commence à perdre pas mal de coureurs, avec notamment un groupe avec O'Grady, un groupe avec Christophe Auriol qui est là aussi. Une dizaine de coureurs qui commencent à lâcher prise à l'image ici, me semble-t-il, de Pablo Lastras, effectivement l'Espagnol de l'équipe Ibanesto.com. Beaucoup de coureurs en limite de rupture à l'image de Didier Rousse, champion de France, qui est dans les dernières positions de ce peloton. Mais pour l'instant, il est encore dans le bout du peloton, la queue du peloton qui se sépare en deux. Et beaucoup de coéquipiers d'Anne Ulrich sont mal placés dans l'affaire. Il recule un peu, comme l'on dit. Dans le peloton, et devant aussi. Oui. Cazard a beaucoup de peine à s'accrocher. D'ailleurs, est-ce qu'il a vraiment intérêt à s'accrocher dans cette côte lorsque l'on connaît la difficulté qui attend les coureurs après la côte, hein. Certainement que dans leur esprit, les coureurs prennent cette côte de Larreau dans l'ensemble du col de Bagargui. Elle est intégrée en quelque sorte au col de Bagargui. Et il faut savoir garder des forces dans la côte de Larreau pour pouvoir passer ensuite les terribles, terribles pentes du col de Bagargui. Sandy Cazard décramponné, Wauters distancé. Même chose pour Latassa. Ludovic Turpin s'accroche toujours à ce groupe emmené désormais par Kurt Van de Hoover, coéquipier donc de Richard Virenque. Mercado, Hamilton, Sorensen, Mihailovic, Ludovic Turpin, toujours là Ludovic Turpin, vainqueur de sa première course chez les professionnels au mois de juin, lors de la route du sud, il avait triomphé sous une chaleur de plomb, une terrible fournaise de plus de 40 degrés à Saint-Gaudens. C'est sa première victoire depuis son succès chez les amateurs, chez les élites 2, titre de champion de France. Et désormais pour ces hommes, 1 minute 21 d'avance sur David Millard, décramponné dès les premières rampes. Accélération de Kurt Van de Hoover, suivi par Mercado. Va aller faire les points du grimpeur. Voilà, c'est fait. 1 pour Van de Hoover et 2 pour Mercado. On le répète encore une fois, Richard Virenque est assuré mathématiquement de porter jusqu'à Paris le maillot à poids du meilleur grimpeur s'il va jusqu'au bout. Les échappés dans la descente et David Millard toujours dans la montée, lui qui a été distancé sur ces pentes abruptes. Et à l'arrière, Thierry Didier Rousse, le champion de France, à nouveau distancé. Oui, en train de lâcher prise à l'instant même. Il se bat pour rester le plus longtemps possible dans ce peloton, bien entouré par ses coéquipiers, notamment Walter Beneteau et Franck Renier. Alors que là, c'est Bram de Groot qui est en train de lâcher prise. Christophe Auriol aussi. Evgeny Juan Miguel Mercado à son tour en train de se faire distancer. Non, c'est Evgeny Petrov, pardon, qui est en train de se faire lâcher dans ce peloton. La côte a fait mal. Et effectivement, une vingtaine de coureurs, dont Didier Rousse, ont lâché prise dans ce dernier kilomètre d'ascension. Un qui n'avance plus, c'est David Millard. On a vu Médéric Klein revenir sur son leader. Il lui a donné une petite tape dans le dos en disant « Je suis là, je vais t'aider ». Il se retourne encore, Médéric Klein. Mais David Millard ne peut absolument pas accélérer. Michael Astarloza, sa grande silhouette, juste derrière Médéric Klein. Et puis Fornaciari à droite, grand gabarit lui aussi. Maillot rouge de la Saeco.
Médéric Klein fait l'effort, se retourne sans cesse pour voir où est David Millard. Ils avaient été lâchés tout à l'heure par les hommes de tête. Millard était devant, lui qui était tellement actif depuis le début de l'étape. Il est absolument allé jusque chez lui, il habite Biarritz, tout près de Bayonne. Au sommet du col de Laro, Astarloza vient de passer avec Fornaciari et Klein. David Millard maintenant. Et le peloton Armstrong, peloton maillot jaune, toujours emmené par trois coureurs de Scaltel qui défendent la position au classement général de leur leader. Franck Renier, Anthony Gélin sont ici à l'arrière du peloton avec le champion de France Didier Rousse pour tenter de le ramener. Il y a Eric Zabel, le champion d'Allemagne également dans ce groupe. Au sommet, à son tour, col de troisième catégorie. Et derrière, il va falloir attaquer Bagargi. Fino repris. David Millard repris. C'est-à-dire que le peloton est tout proche du groupe de Médéric Klein qui lui-même avait rattrapé il y a un instant David Millard. Toujours emmené par les Euskaltel mais qui ont perdu un homme. Elles étaient quatre tout à l'heure. Maintenant elles ne sont plus que trois. Et après elles ne sont plus très très nombreux à vraiment pouvoir faire la course. Et les coureurs viennent de passer à Laro donc. Le dernier village perché du Val Senestre de Haute-Soule, un village fortement attaché à ses traditions, avec ses soirées du Cantaldi, un chant à plusieurs voix. Laurent. Oui, Sandy Cazard qui vient juste de réintégrer le groupe de tête. Ils sont neuf à nouveau, alors que Vauters, lui, l'avait fait au sommet de la côte de l'Arro. Bien, Sandy Cazard le fait au panneau 9 km du sommet du col de Bagargui. Donc, pas forcément le meilleur endroit pour intégrer la bonne échappée. Mais il a quand même intérêt à s'accrocher au maximum. Bien sûr, la victoire d'étape sera difficile aujourd'hui pour lui. Mais sait-on jamais hein, si après le sommet de Bagargui, il peut y avoir un regroupement avec l'arrière et l'attaquer ce col terrible avec plus de 3 minutes d'avance sur le peloton. C'est quand même une avance confortable qui peut lui permettre d'être devant dans le final. Et après, c'est une autre course qui va peut-être débuter. En tout cas, les coureurs derrière, tout comme devant, lorsqu'ils ont basculé en haut de la côte de Laro, pour ceux qui ne connaissaient pas du moins la côte de Bagargui, ils ont eu un aperçu puisqu'on voyait toutes les voitures garées et on voyait facilement l'inclinaison de la pente. Ça faisait, je pense que ça leur a fait assez peur de constater que c'était une pente terrible. Beaucoup l'ont reconnu ce col, mais pour beaucoup ça va être une grosse surprise aussi. Bagargui est méconnu sur les routes du Tour de France, mais terrible avec ses pentes abruptes. C'est dans ce col que sont désormais les 9 échappés du Tour de France. Échappé Tyler Hamilton, le mieux placé au classement général, avec Latassa ici en dernière position, avec Van de Wouver devant lui et avec toujours deux Français. Sandy Cazard qui a donc réussi à réintégrer ce groupe, le jeune coureur de la FDJ.com de Marc Madiot et Ludovic Turpin, le coureur d'AG2R Prévoyance. Formation de Vincent Lavenu. Il y a aussi Mercado dans ce groupe, Waters donc, Nicky Sorensen coéquipier d'Hamilton, Mihailovic, le croate, Van de Wouver le belge et Latassa, l'espagnol de la Kelme. Vos questions par SMS au 61-202. Cette interrogation de Pascal Laurent de Roissy-en-Brie qui se demande quel est l'intérêt de faire une étape de montagne alors que les 80 derniers kilomètres sont en plat ou en descente. Je crois que c'est pas une question d'intérêt, c'est une question de...
On va dire qu'il fallait aller de Pau à Bayonne, et on a trouvé des cols intéressants, mais bon, c'est vrai que c'est dommage qu'ils soient un petit peu au milieu, comme l'étape de Bonasque l'autre jour, où les difficultés étaient concentrées sur la fin, mais aujourd'hui elles sont concentrées dans la première partie du parcours. C'est pas une véritable étape de montagne, puisqu'il n'y aura pas d'arrivée au sommet, l'arrivée à Bayonne sera jugée sur le plat, mais quand même, c'est une étape extrêmement difficile, et donc l'intérêt, il est là, hein. Il y a une course animée, il y a des attaques, on voit le 7ème du général qui a profité de l'occasion et des difficultés du jour pour attaquer, et mettre peut-être en difficulté certains leaders du Tour. En tout cas, ça anime la course, et c'est une étape de montagne, mais on va dire, allez... J'allais dire de moyenne montagne, on ne peut pas vraiment parler de moyenne montagne parce que ce sont des cols extrêmement durs, mais ce n'est pas une véritable étape de montagne. Il n'y a pas 6 cols, il n'y a pas un grand dénivelé aujourd'hui. Par contre, c'est une étape qui est difficile et qui va faire des dégâts. Et la Tassa distancée du groupe de tête, Sandy Cazard, à son tour distancé. Ces étapes de montagne-là ont aussi une nécessité. On ne peut pas faire que des arrivées au sommet qui pourraient se résumer trop souvent à une simple course de côte. Ça permet évidemment d'animer. Alors que David Millard, repris par le peloton, a été aussitôt distancé. Lui qui était tout à l'heure dans le groupe de tête. Il se remet de sa bronchite, de ses quintes de tout, David Millard. Il voulait frapper fort aujourd'hui, tenter de remporter l'étape. Il a essayé. Il est parti, il a fait beaucoup d'efforts et désormais il les paye, ses efforts. Dans Bagargi, le col le plus redoutable du jour. Distancé et repris. Oh, qu'elle va être compliquée cette fin d'étape pour David Millard. Un petit groupe avec Santiago Botero qui lui passe devant. L'équipe Cofidis qui avait fait de très beaux et louables efforts en début d'étape. Maintenant, il semble qu'elle paye son départ où elle voulait absolument avoir des coureurs dans l'échappée. Pendant un moment, elle en avait, il y avait 3 coureurs. Avec Cuesta, Klein et Millard, mais malheureusement maintenant, elle n'a plus personne. Oui, ce sont eux qui ont fait toute la montée du col du Soudain, et notamment Cuesta. C'est raide sur les pentes de Bagargi. Monsieur Bernard Chenez, dont Vincent de Boulogne, nous dit, Bernard, il se demande plutôt si vous n'êtes pas vous, Bernard Chenez, le meilleur grimpeur du Tour. Vous en avez le gabarit, grimpeur spécifique. Car Bernard Chenez, dit-il, vous êtes capable de tracer 3 cols en un tour demain. Voilà. Laurent. Oui, ça explose devant. Nicky Sorensen a fait monter le pied du col à une allure très vive pour préparer le terrain, j'allais dire, Hamilton. Bien sûr, cela a provoqué l'élimination. Iban Mayo, Iban Mayo à pied, incident mécanique pour Iban Mayo sur la droite de la route qui attend. Et devant, crevaison à l'arrière. Et il attend toujours Iban Mayo. Son mécanicien lui remet la roue maintenant. Il perd de longues secondes. Il va falloir qu'il revienne. C'est vraiment pas au meilleur moment, pleine ascension de Bagargi. Voilà, relancé par son mécano. Iban Mayo va repartir, essayer de retrouver sa place dans les premières positions du peloton. Laurent. Oui, Hamilton qui est parti tout seul. Hein. Je vous disais, Sorensen a fait monter le pied, il a asphyxié tout le monde. Hamilton était dans sa roue. Et quand Sorensen s'est écarté, il s'est garé, comme on dit dans le jargon. Hein. Il s'est littéralement arrêté sur le bord de la route. Et bien Hamilton a accéléré et il est parti pour essayer de creuser cet écart. Hamilton, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est augmenter son avance sur Mayo, malheureusement, qui vient d'avoir un incident mécanique, mais lui, il l'ignore de toute façon, et puis de rallier l'arrivée, si possible, évidemment, mais là, il va falloir qu'il soit fort, il reste encore beaucoup de kilomètres, il va être seul, parce que pour l'instant, il est parti tout seul, et que nous n'allons pas attaquer encore les pentes les plus dures. Hein. Ouais. Hamilton seul en tête et à l'arrière, donc après son incident mécanique, Iban Mayo et Thierry. Oui, Iban Mayo qui a d'abord remis tout en place et puis qui maintenant s'en va essayer de rejoindre assez vite l'arrière du peloton. Il va bien sûr sans doute être attendu par un coéquipier. J'imagine qu'Aurélien Gorospe, voilà, c'est fait. Il a un coéquipier juste devant lui qui va l'attendre là. Et ça y est, le voilà déjà. Ouais, et le peloton ne monte pas trop vite encore à cet instant-là. Et donc Iban Mayo, accompagné par Michael Artexte, va arriver à rentrer dans ce peloton qui est en train de perdre peut-être Santiago Botero en difficulté. A noter qu'à une trentaine de secondes, il y a un groupe de 20 coureurs dans lequel on retrouve les trois quarts de l'équipe Brioche La Boulangère avec notamment Sylvain Chavanel et Didier Rousse qui tentent dès le début de cette ascension, il y a de revenir sur le peloton, mais ce sera sans doute difficile, alors que Iban Mayo, maillot ouvert comme d'habitude, à l'instant même revient à l'arrière de ce peloton où l'attendent deux de ses coéquipiers. Écarté de check, il a fait remonter. Crevaison au plus mauvais moment.
Alors que Zubeldia, lui, le coéquipier de Maillot, est resté dans les premières positions. Et voilà les maillots orange, vont être 4 pour tenter de remonter Maillot vers les premières positions du peloton. Ça va pas être simple parce que la route est très très étroite. Il faut vraiment là aussi se frayer un chemin parmi les autres coureurs. Tyler Hamilton, lui, n'a pas ses soucis. Il est seul en tête dans la montée de Bagargi. Une grande offensive du coureur américain de la CSC. Première équipe au classement par équipe de ce Tour de France. Donc Philippe Lafond vous proposera tout à l'heure dans Vélo Club un reportage précisément sur cette équipe CSC, puisqu'il assistait ce matin au briefing de la formation de Bjarne Riis. Ce sera tout à l'heure dans Vélo Club après l'étape. Incroyable Hamilton, vu qu'on avait pensé laisser sur le carreau Amo, qui a su résister malgré sa fracture de la clavicule. Il est vrai qu'il avait fini le Tour d'Italie l'an passé à la deuxième position. Après s'être déjà cassé la clavicule le cinquième jour. Coureur distancé encore à l'arrière avec Mark Waters qui a été lâché tout à l'heure, Sandy Cazard, donc lâché du groupe de tête. Latassa distancé lui aussi tout à l'heure. Après l'accélération d'Hamilton, Sorensen après le gros boulot effectué pour son patron. Laurent nous le disait, il s'est garé sur le côté. Il monte encore bien le champion du Danemark. Ah, il a encore un beau rythme après tout le travail qu'il a effectué depuis ce matin. Thierry, des nouvelles de Didier Rousse. Ouais, tentative de rapprochement une nouvelle fois, presque réussi, pas tout à fait, hein, mais là on est dans un virage avec une petite descente, donc ce sera plus facile. Tentative de rapprochement de l'ensemble de l'équipe La Brioche, La Boulangère, avec un gros travail de Walter Beneteau. Sylvain Chavanel aussi, l'écart est pas grand, hein, y a une vingtaine de secondes. Là on aperçoit d'où on est l'arrière du peloton dans lequel va revenir notamment Rogers, qui avait un instant distancé de même que Kachlesav et Kimop. L'équipe de La Boulangère qui ramène une vingtaine de coureurs derrière elle, mais il va falloir se dépêcher parce que sinon, eh bien après, cela risque d'être un peu plus complexe et compliqué. Et gros effort fait là par l'équipe de La Boulangère, Walter Beneteau, mais aussi par l'équipe Rabobank. Médéric Klein, Paolo Fornaciari, Michael Astarloza. 80 mètres devant le peloton principal. Laurent. Situation de la course à 5 km du sommet, c'est bien sûr Hamilton qui est devant et derrière à 32 secondes déjà Miholzevic de l'équipe Alessio, et à 45 secondes un trio avec Ludovic Turpin, Mercado et il m'en manque un et le troisième Van de Woever peut-être, oui. Van de Woever, voilà, très bien. Van de Woever qui est encore là avec Turpin qui assure pour l'instant la poursuite. Et le peloton, on l'aperçoit en dessous, Hamilton l'aperçoit, mais il creuse l'écart sur ce peloton pour l'instant, 2,25. Vous savez ce qu'on voit, Laurent, en tête de peloton, les deux tiers de la formation face à Bortolo. Ils sont deux en tête de groupe, et ils peuvent difficilement faire plus. Ça veut dire qu'Ivan Basso, lui aussi, se sent peut-être menacé, lui qui est sixième au classement général, c'est-à-dire juste devant Hamilton, et comme tout à l'heure, les coureurs basques de Skaltel, eh bien, Basso fait rouler les coéquipiers qui lui restent. Laurent, je voudrais bien que vous nous confirmiez, il faut bien 39-25 pour passer ce col-là, Bagargi, enfin certaines parties du col de Bagargi. Parce que oui, beaucoup de coureurs ont 39-25, Hamilton a un 36, je vous l'ai dit il y a quelques jours, un braquet spécial, 36 et un 52, et des dentures, je pense qu'aujourd'hui il doit utiliser un 36-23, mais les coureurs ont 36-26. Bjarne Riis me dit qu'il utilise un 36-26, voilà pour l'information. Donc imaginez la difficulté. Bernard, je ne sais pas si vous avez ça sur vos tablettes, mais 36-26 et il est quand même. Allez, on va dire qu'il tourne bien les jambes, mais il a quand même tout à gauche, il utilise tout son braquet. Et donc les spécialistes comprendront que c'est une pente extrêmement difficile à laquelle les coureurs sont confrontés aujourd'hui. Oui, oui, certainement. Hein, 36-26, c'est presque. Ouais, c'est même plus petit qu'un braquet de cyclocross. Ça fait. Un petit peu moins de 3 mètres. 36-26. Ça fait 2,80 mètres et quelques. C'est-à-dire que
À chaque tour de pédale, le coureur parcourt 3 mètres. Ce qui explique que pour faire une moyenne, pour avancer à 15 km, 12 km heure, à peu près 15, il faut tourner les jambes rapidement. Hein. C'est très rare. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de. Qu'il y ait déjà de précédents dans le Tour de France, hein, où on était obligé de mettre 36-26 ou pour d'autres 39-25. Pour ceux qui mettent 39-25, ça fait un peu plus long quand même. Hein, ça fait 3m28, 3m30. C'est presque 10% de plus. Hein. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres cols où on soit obligé de mettre de tels braquets. Il n'y a que soit la montée de la Bastille à Grenoble, qui a été montée par le Dauphiné, si mes souvenirs sont bons, mais jamais par le Tour. Et sinon, ben, je pense que l'une des autres côtes ou cols les plus durs, c'est l'Angliru en Espagne, dans les Asturies, 36-36. Oui. Ça fait 2m36-36, ça doit faire 2m13, 2m15 à peu près. Mais on va pas vite hein, avec 36-36. 36-36 et les congés sont pas payés. Hein. Tyler Hamilton seul en tête dans cette 16e étape du Tour de France entre Pau et Bayonne. Coureur américain, visage de souffrance sur ses routes. Remet en danseuse, on a vu de nouveaux coureurs distancés, et notamment Botero. Thierry. Oui, avec un peloton qui, me semble-t-il, vient de se diviser en trois, sans compter tous les coureurs en dessous de moi qui sont éparpillés. Je peux vous dire que la fin de journée va être un vrai calvaire encore pour David Millar, complètement lâché par l'ensemble des troupes. Maintenant, c'est au tour de Santiago Botero de lâcher prise. Didier Rousse avait fait un effort considérable pour revenir à la queue du peloton. Malheureusement, il y est arrivé, il y a touché, mais ça n'a pas servi à grand-chose puisqu'il a de nouveau lâché prise sur un peloton qui mène au train. Sylvain Chavanel aussi vient de lâcher prise, comme l'ensemble bien sûr de ceux qui sont plutôt des sprinteurs, avec notamment Eric Zabel là à mes côtés, et Kimoff aussi vient de lâcher prise. Peloton qui va vraiment se réduire à une simple expression, c'est-à-dire comme d'habitude sans doute les mieux classés au général. D'autant qu'il voit le diable, que vous allez apercevoir vous aussi dans un instant, le fameux Didi Zenf, supporter allemand qui est absolument partout, alors que Dario Cioni emmenait toujours le groupe pour Ivan Basso, et à l'arrière les coureurs de Scaltel comme Alberto Lopez de Munain, qui faisait l'élastique depuis un bon bout de temps, et distancé. Daniele Nardello lâché lui aussi, l'équipier italien d'Alexandre Vinokourov à la télécom. Il y a un ange d'ailleurs maintenant, il n'y a plus seulement le diable, il y a aussi un ange sur les routes du Tour. Ils se partagent d'ailleurs une sorte de périmètre, chacun dans son coin. Ils ne cohabitent pas trop en général. Médéric Klein. Médéric Klein ici, qui a été repris par le peloton principal. Ils sont encore très très nombreux sur ces pentes de Bagargi. Et devant Tyler Hamilton. Lui qui mouline aussi beaucoup. À la manière de son ancien leader, Lance Armstrong. Tyler Hamilton, ancien vainqueur du Dauphiné libéré, triomphateur cette année dans Liège-Bastogne-Liège, en lieu et place d'Armstrong qui avait annoncé qu'il souhaitait remporter la doyenne, qui avait tout fait pour gagner d'ailleurs, en partant dans les dernières bosses. Il avait été repris ensuite et battu donc par Tyler Hamilton, vainqueur aussi du Tour de Romandie au printemps. 3 minutes 18 entre Hamilton et le peloton. Classement général, Hamilton a 9,02 de retard sur Armstrong, 6,17 sur Vinokourov, 3,37 sur Maillot. Hamilton qui est parti pour un long raid pour essayer de gagner l'étape bien sûr et de se replacer dans les 5 premiers du général. Et après l'ascension de Bagargi, il restera à près de 80 km, 79 précisément, pour aller jusqu'à Bayonne. Une descente est plat. Même s'il y a quelques bosses non répertoriées en fin de parcours, notamment celle de Mouguer. Yann Ulrich. Col de Bagargi qui monte pendant presque 9 km à plus de 9% de moyenne. C'est-à-dire que dans ce col, il y a des pentes à 12 ou 13%. Mathias Kessler ici, le coureur de la Télécom derrière Incapi, coéquipier de Vinokourov.
son premier tour, il a 25 ans. Oh, Mancebo, il n'est pas bien placé dans le peloton, Francisco Mancebo, avec sa tête sur le côté. Son style caractéristique. Mancebo, 9e du classement général, derrière Christophe Moreau. Le Français l'a dépassé avant-hier. Fornaciari, qui était devant tout à l'heure, est repris. Andy Flickinger en difficulté également. Rolf Aldag décramponné à son tour. Un chapelet qui s'égrène. Roberto Leizeca, qu'on avait déjà vu en position délicate, distancé. Andrea Perron lâché. David Moncoutier distancé également. Guido Trentin continue de remonter vers Ludwig, ici le dossard 57. Ils ne peuvent suivre le rythme imposé par un homme qui n'est pourtant pas un grimpeur patenté, Georges Hincapie, devant Ulrich, Kessler, Plaza, Armstrong et son maillot jaune, Alexandre Vinokourov à côté de lui, avec Ivan Basso et Christophe Moreau dans la roue. Alexandre Vinokourov, le vainqueur de Gap. Laurent Dufour, il a également dans les toutes premières positions. Peter Lutenberger, Richard Virenque ici devant Michael Bogert. Maillot à poids du meilleur grimpeur, Iban Maillot. Gord Tochnik, le champion d'Autriche. Rubira. Thierry. Oui, avec une crevaison au mauvais moment, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, sa voiture n'était pas là, donc il a profité de la voiture neutre. C'est le Belge Serge Baguet qui vient d'être obligé d'être dépanné, alors que là, je retrouve un groupe qui est à une minute de la tête du peloton avec Didier Rousse, avec Sylvain Chavanel, avec Rogers, avec Médéric Laff, Fornat Chéry, les hommes de ce matin, Marcus Sberg qui est là aussi, Niermann, le néerlandais, le grand Andy Flickinger qui tente d'emmener sa grande carcasse jusqu'en haut. Il y a ça, Sinardello, Mario Hartz pour les coéquipiers d'Alexandre Vinokourov, et tout le monde accuse une minute, une de retard pour ce groupe d'attardés. Hamilton à 2 km du sommet, ce visage de souffrance, hein, ce qu'il expliquait déjà il y a quelques jours à l'heure Hamilton, qu'il savait qu'il pouvait souffrir davantage que les autres, que c'est dans son enfance qu'il a appris à repousser les limites lorsqu'il skiait avant de faire du vélo, dans l'endroit, expliquait-il, le plus froid de toute l'Amérique du Nord, et il disait qu'il avait appris à souffrir précisément en supportant le grand froid. Lorsque, immobile de longues minutes sur les télésièges, il se gelait. Et il explique aussi qu'il a appris de Lance Armstrong, son ancien leader, cette capacité à pouvoir dépasser les limites de la souffrance. Groupe de poursuivants derrière Hamilton. Avec Mercado, qui essaye de s'accrocher, avec Nicky Sorensen, qui a effectué un gros boulot pour son leader tout à l'heure, le champion du Danemark, avec Ludovic Turpin, qui est toujours là. Et avec Kurt Van de Wouver. Je ne sais pas si c'est l'idée de la pente. C'est quand même pas comme ça. En tout cas, c'est très très raide. Pour les échappés comme pour la tête du peloton. Un groupe qui est encore nombreux. Hein. On a détaillé tout à l'heure, réalisé sans truquette, nous dit Bernard Chenez. On ne demande qu'à le croire. Richard Virenque, ici à l'image, avec Stéphane Goubert qui est toujours là. Yann Ulrich se retourne, regarde Vinokourov, regarde vers Armstrong. Il n'y a pas de bagarre pour l'instant entre les trois premiers du classement général. Hincapie emmène toujours. Plaza, David Plaza est aux côtés de son leader Yann Ulrich. Christophe Moreau, premier français du tour, 8e, est à gauche, tout près de Lance Armstrong. Vinokourov en deuxième rideau. Devant Dufaux, Michael Bogert. Neymar Zubeldia à droite, donc Saviran qui est juste derrière. Francisco Mancebo, le 231 s'accroche toujours. Mancebo, on l'imaginait mieux sur ce Tour de France. En plus, sur ces terrains aussi pentus, c'est difficile de s'accrocher. Hein. Ouh là là, c'est très très dur. Même si on a un point de repère très très proche avec les coureurs qui sont juste devant. Ben c'est avant tout, c'est la force physique qui parle ici. Hein. Manuel Beltran, Roberto Heras dans les premières positions près d'Hincapie. On a vu Bettini encore juste derrière. Toujours les coureurs de l'US Postal qui assurent le train. Pour Armstrong devant Ulrich et Plaza avec Dufaux également. Vinokourov, Zubeldia, Basso.
Le visage de Tyler Hamilton, presque un visage de gamin, visage très fin, marqué tout à l'heure terriblement par la souffrance. Bouche ouverte à un peu plus d'un kilomètre du sommet. Une grande différence sur le visage d'Hamilton. On sent qu'il force, mais sans plus, alors qu'il y a quelques minutes, il était vraiment paroxysme de la souffrance. Il reste encore un kilomètre à 9% à peu près. Et après une descente qui ne dure pas très longtemps avant de recommencer de repartir pour le col de Gourdine-Curuceta. Hamilton qui avait débuté par le ski, par la descente avant une sévère chute qu'il avait laissé dans un fauteuil quelques semaines. Et bien, il a continué par le vélo. Hamilton donc en tête devant ces quatre hommes, Kurt Van de Wover, le Belge, Ludovic Turpin, le Français, en 559 d'AG2R Prévoyance. On devine bien la difficulté en voyant ces quatre-là grimper. On devine la sévérité de la pente. On devine ce que doit endurer Sorensen ici, champion du Danemark en dernière position, pour pouvoir suivre ses trois compagnons d'échappée. On a vu aussi Mercado qui souffrait énormément. Et ce qui reste du peloton qui s'accroche dans la montée. Les équipiers d'Ulrich. Casero, Garcia Casas. En difficulté. Thierry, d'autres coureurs en difficulté sur ces pentes. Oui, notamment deux coureurs français. David Moncoutier a été distancé il y a de cela quelques instants. Et puis juste à côté de lui, Patrice Algan aussi. L'écart n'est pas très important, mais tout de même. D'ailleurs, il ne reste plus que, je crois, 31 coureurs dans ce que l'on peut appeler le peloton maillot jaune, duquel sont en train effectivement de lâcher prise, en tout cas de s'accrocher, mais de ne pas pouvoir aider Ulrich, ses coéquipiers Casero et Garcia Casas. C'était difficile aussi, il s'accroche pour le petit Mancebo avec toujours sa tête à gauche. Paolo Bettini est là derrière et l'écart avec les poursuivants, avec les premiers rescapés, déjà d'une vingtaine de secondes. Tyler Hamilton dans quelques instants va franchir en tête le sommet du col, alors que Waters est repris par le peloton maillot jaune avec Richard Virenque remonté en première position à côté d'Incapi. Waters qui faisait partie tout à l'heure du groupe des 10 échappés puis des 9 après que David Millar n'ait pas pu suivre le rythme. Garcia Casas distancé. 3 minutes 45 tout de même entre Tyler Hamilton et ce peloton. David Latassa a repris à son tour par le peloton maillot jaune. Il ne reste plus devant que Tyler Hamilton seul, puis Mihailovic seul à son tour. Et le groupe des 4, Mercado, Van de Wever, Turpin et Sorensen, peut-être Sandy Cazar. Il n'a pas été déjà repris. Il était tout à l'heure avec Latassa et avec Waters. Hamilton à un kilomètre du sommet maintenant. Toujours dans la brume. Tout à l'heure au sommet du Soudet, les coureurs ont pu voir le soleil. Le sommet du Soudet, c'est à 1540 mètres. Celui de Bargargui est 200 mètres plus bas, 1327. Ce sera juste. Et ensuite, il y aura donc une longue plongée vers Bayonne pour se rapprocher le plus possible de la mer. Filer vers l'ouest avant la remontée finale vers Paris. Bordeaux demain, Saint-Mexant-l'École, puis le contre-la-montre samedi. Il devrait se jouer le Tour de France entre Pornic et Nantes sur 49 km avant l'ultime étape Ville d'Avray. Paris dimanche pour clore ce Tour de France du centenaire. Au suspense haletant jusqu'au bout. Thierry. Oui, deux coureurs lâchés, Victor Hugo Peña, coéquipier de Lance Armstrong à l'instant même comme prévu. C'est Félix Garcia Casas qui vient de lâcher pied, alors que Casero est lui aussi en train de se faire distancer dans le groupe de tête. Et voilà, Sandy Cazar repris à son tour, donc confirmation. Devant, il ne restera plus que Tyler Hamilton seul, poursuivi par Mihailovic le Croate, puis le groupe des 4 que vous avez perçu il y a un instant. Et la situation suivante, c'est celle-là, Cazar repris par ce peloton maillot jaune dans lequel Casero essaye tant bien que mal de rester. Beaucoup de monde au sommet, Hamilton se fraye le passage, Laurent. Impressionnante Tyler Hamilton avec des braquets qui étaient adaptés finalement à la pente. Je crois que c'était important aujourd'hui. La montée était terrifiante, on voyait par endroits
Les petits panneaux, toujours pareil, qui nous indiquent le pourcentage, 13%, c'était 1 km 13%, le kilomètre d'après 12,5. C'est une montée très difficile, constante, et il faut avoir des braquets adaptés. Et Hamilton a fait une très très belle montée dans un style qui lui est propre, mais très efficace. Je pense qu'il aura creusé un écart important encore sur le peloton. Il a démarré le col, n'oublions pas, avec 2 minutes d'avance. Il a 3,45 pour l'instant. Donc c'est un coureur qui est en progression. Attention, parce que le final, même s'il est favorable, n'est pas un final facile. Et derrière, est-ce que les équipes seront organisées pour pouvoir mener la chasse? Oh Laurent, on a vu Tyler Hamilton contraint de zigzaguer sur la route devant les spectateurs. Qui forme même plus une haie, c'est complètement compact, c'est la mer qui saute, mais juste devant, encore une fois, Hamilton gêné, c'est complètement stupide, surtout après l'incident d'avant-hier vers Luzardiden, alors que le petit garçon, c'est vrai, n'y était pour rien, il avait laissé sa musette traîner. Hamilton qui lève le bras, va demander quelque chose à sa voiture, alors que le sommet du col est protégé par des barrières, ce sera plus facile pour aller jusqu'au sommet. On se demandait, Laurent, si ça aurait été possible d'aller jusqu'au bout, d'ailleurs, devant Hamilton. Oui. Je pense que c'est possible d'aller jusqu'au bout, et là il profite justement de l'accalmie, on va dire, avec du fait qu'il y a des barrières, les spectateurs sont un petit peu écartés du bord de la route, ça permet à son directeur de venir le ravitailler. Après, la descente est étroite et sinueuse, et Hamilton la connaît, il a reconnu lui aussi cette étape, il connaît bien le parcours, et le final ne le désavantage pas finalement. Il sera difficile de toute façon de s'organiser derrière. Est-ce que les équipes, c'est vous qui avez les images, Christian, il faudra bien le regarder, est-ce que les équipes seront encore soudées et constituées pour pouvoir mener une chasse efficace? C'est pas sûr. On a revu les images d'Hamilton là, gêné par la foule, Bernard, c'était vraiment de la folie furieuse sur les dernières pentes de ce col de Bagarguet. Il faudrait que les gens prennent conscience que par moments, leur enthousiasme leur fait perdre un peu les éléments premiers de la sécurité, qui est de ne pas gêner le coureur, de lui laisser un espace suffisant pour évoluer. Le groupe des poursuivants, le groupe des 4 à 2,41, donc derrière le peloton, ensuite emmené par toujours Georgine Capi, toujours par Roberto Heras, qui a l'air d'aller mieux que les jours précédents. Laurent Dufaux au plein centre. Voici les poursuivants, le quatuor derrière Tyler Hamilton dans les derniers hectomètres, juste avant que les barrières ne permettent de vraiment franchir le sommet, avec Kurt Van de Vouver devant, avec Ludovic Turpin remarquable aujourd'hui, avec Nicky Sorensen et avec sans doute Juan Miguel Mercado juste derrière, à moins que Mercado n'ait faussé compagnie à ses trois compagnons, c'est sans doute, voilà ce que veut nous dire la moto exactement. Mercado parti seul en contre derrière Hamilton, mais à distance respectable du coureur américain qui a franchi le sommet il y a 1 minute 35 maintenant. Mercado qui a donc réussi à distancer ses compagnons Turpin, Sorensen et Van de Vouver sur les dernières pentes de Bagarguet. Alors qu'avec 4 minutes et 1 seconde d'avance pour Hamilton, eh bien, il aurait repris virtuellement la quatrième place du classement général. Hamilton est passé depuis plus de 2 minutes 10 et on attend toujours au sommet donc Mercado. Laurent. Oui, non, Hamilton est parti dans la descente avec prudence. C'est une descente sinueuse. Le revêtement est parfait, hein, mais il descend avec prudence et je pense qu'il s'est posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Je continue. Il a discuté un petit peu avec son directeur sportif, évidemment, à cet endroit, et vu la situation, il est obligé de continuer, même si la distance est encore longue jusqu'à l'arrivée. C'est un bon coup à jouer pour lui, il faut attendre de voir ce qui se passe à l'arrière. En attendant, il faut bien sûr qu'il continue son effort, qu'il pousse le plus loin possible en essayant d'augmenter encore son avance, alors que les virages sont très refermés et il les prend bien, il négocie bien Hamilton, lui qui a un problème à la clavicule, qui a une fissure de la clavicule et qui souffre très certainement davantage dans les descentes que dans les montées de ce problème-là. Mercado passé en deuxième position au sommet de Bagarguet à 2,38 d'Hamilton. On attend Turpin, Van de Vouver et Sorensen, alors que Laurent Dufaux lui a accéléré en tête du peloton maillot jaune. Peloton dans lequel s'accroche toujours Mercado. Dufaux avec 4 ou 5 mètres d'avance sur l'avant-garde du peloton maillot jaune, avec Moreau, avec notamment Virenque, Paolo Bettini à l'arrière ici, et avec Mercado, avec Stéphane Goubert qui est toujours là, le coureur français, avec également Nossal. Dufaux devant Moreau et Virenque dans les derniers hectomètres de Bagarguet.
Trois coureurs en danseuse avec 5 mètres d'avance sur les maillots bleus de l'US Postal. Il faut à gauche, Moreau au centre, derrière Richard Virenque. Et Angel Casero n'arrive plus à rester dans le groupe principal. Voilà Dufaux au sommet, devant Moreau et Virenque. À 4 minutes, un peu plus de 4 minutes de retard sur Tyler Hamilton. Casero à son tour. Hamilton passé en tête donc avec 2 minutes et 38 secondes sur Mercado. Pour passer intercalé dans un ordre que je ne connais pas, Van de Woever, Sorensen et Turpin. Et ensuite donc en 6e position, Laurent Dufaux devant Christophe Moreau, 7e, Richard Virenque, 8e. Sommet de ce col de Bagargué, Dufaux, Moreau, Virenque avec une poignée de secondes vraiment d'avance sur le peloton maillot jaune emmené par les coéquipiers d'Armstrong. Tyler Hamilton dans la partie descendante avant de reprendre le col du Bordinco Ceta. Petite descente, ensuite une nouvelle montée et ensuite donc 79 km là de descente et de plat pour aller jusqu'à Bayonne. C'est loin, loin, loin. Il y aura une douzaine de kilomètres de descente et après il restera un peu plus de 60 km. Après Mandive, il restera 67 km en bas de la descente du Bordin-Curuceta pour rejoindre Bayonne. Ce sera très très long pour un homme seul. Michael Bogert sorti du peloton maillot jaune dans la descente. Alors qu'Hamilton était passé en tête donc avec 2.38 sur Mercado, sommet de Bagargui. Van de Woever, Sorensen, Turpin dans l'ordre à 2.50, les trois hommes regroupés. Et puis à 4 minutes, donc l'avant-garde du groupe maillot jaune emmené par Dufaux devant Moreau et Virenque. Dans la descente avec Hamilton. Qu'il avait mal évalué sa trajectoire en début de virage. Ouais, j'ai complètement oublié Mihailovic, moi, dans mon affaire. Il nous est rappelé ici, bien sûr, puisqu'il était juste derrière Hamilton. C'est celui qui avait le mieux résisté. Donc il y a un autre coureur intercalé. Hamilton, on rappelle la situation. Mihailovic en deuxième position. Mercado à 2.38. Il d'ailleurs ne nous a pas été signalé par Radio Tour. Et à 2.50. Sorensen, Van de Woever, Turpin, puis le peloton Dufaux, Moreau, Virenque à 4 minutes. Mihailovic qui est passé à 2.10 au sommet. Mercado donc à 2.38. Van de Woever, Sorensen, Turpin à 2.50. C'est-à-dire qu'un petit groupe de 5 pourrait à nouveau se constituer. Ben, d'ailleurs, il est constitué. Sont regroupés. Avec ici Nicky Sorensen en dernière position devant Van de Woever, Turpin et donc Michael Bogert qui a attaqué dans la descente juste après le franchissement du sommet de Bagargui sous la station d'Irati. Le leader de la Rabobank. La Rabobank a connu la poisse en début de Tour de France avec l'abandon dès le premier dimanche de Leipheimer. Victime d'une fracture de la hanche, abandon aussi d'un autre coéquipier, Marc Lotz. Il est parti lui aussi pour un raid solitaire, Michael Bogert. Bogert, il est 31e au classement général à plus d'une heure d'Armstrong. Il avait remporté l'étape des deux Alpes l'an dernier. C'est un vainqueur à Aix-les-Bains aussi, c'était en 96 sous la pluie. Champion des Pays-Bas. Coureur de Scaltel qui va revenir. Il est à 2 km du sommet du Bordin-Curuceta, classé en 3e catégorie. Tyler Hamilton. On a connu beaucoup d'échappées sur ce Tour de France, beaucoup de longues, longues, longues échappées. Mais Tyler Hamilton est parti pour. Une de ces longues
promenade, si j'ose dire. Donc ils sont 5 derrière. Mihailovic qui a été repris par le groupe Mercado, par Turpin, Van de Vouver et Sorensen. Mihailovic, le coureur croate d'Alessio, qui était passé ici à droite, qui était passé en deuxième position au sommet de Bagargui derrière Hamilton. Un Espagnol, un Danois, un Belge, un Français, un Croate dans cette échappée à la poursuite de Tyler Hamilton. Groupe intercalé avec derrière, sorti du peloton il y a quelques instants, lui, cet homme, Michael Bogert. Une petite précision historique ici sur cette route où se trouve Michael Bogert. C'était le point de passage obligé des réfractaires au service du travail obligatoire pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, pour rejoindre en 1943 les forces françaises libres d'Afrique du Nord via l'Espagne, après parfois 15 heures de marche dans la montagne sauvage, aidé en cela par des passeurs et des bergers basques. Jean-Paul, puisque vous avez la main, vous allez répondre à Guy qui appelle de Charente. Quel est le plus vieux coureur du Tour de France encore vivant ? Eh bien, il y en a deux. Il y a Sylvain Marcaillou, le Toulousain, et il y a aussi Jean-Marie Guasmat. Jean-Marie Guasmat doit être d'un an plus vieux, je crois. Jean-Marie est né en 14, donc il est né à Camors, dans le Morbihan. Il habite Pluvilliers, il a toujours bon pied, bon œil. Lui qui avait gagné une très belle étape du Tour de France à Briançon et au Dauphiné Libéré, et qui avait été aussi champion de France, vainqueur du circuit de l'Ouest et du Grand Prix des Nations, Jean-Marie Guasmat. Taylor Hamilton à 1 km du sommet du col de Bourdine-Curuchetta, dernier col du Tour de France. Il y aura encore dans cette étape une côte répertoriée au classement du meilleur grimpeur. Ce sera la côte de Bonnet-Belchenea, un peu plus loin en descendant vers Bayonne. Mais pour l'école, ce sera terminé. Pour l'école, LES, plus loin COLS, parce que pour Saint-Mexant, l'école, ça ne sera pas terminé. L'arrivée, c'est vendredi. Une étape pour Baroudeur, pour Sprinter. Mihailovic accélère à nouveau pour le prix du meilleur grimpeur, sans doute devant Van de Vouver. Mercado tente de revenir. Turpin et Sorensen suivent. Le petit groupe des 5 va se reconstituer. Derrière, Tyler Hamilton. J'ai l'impression que beaucoup de coureurs sont très fatigués dans ce groupe de 5. Tout le monde va s'accrocher pour essayer de basculer ensemble au sommet du col et essayer de se refaire une santé, essayer de retrouver des forces dans la descente. Derniers écarts, Bernard, 2,44 d'avance pour Hamilton sur le groupe des 5 et 4,19 sur Bogert. Partie en compte, sortie du peloton principal. Il doit être à la limite encore du soleil et des nuages. Tyler Hamilton, parti pour une chevauchée. Va-t-il s'envoler, résister jusqu'au bout ? Il lui reste 80 km. Alors dans le secteur, enfin pas exactement ici, mais dans les Pyrénées, on se souvient d'une envolée extraordinaire qui avait évidemment marqué toutes les mémoires, celle d'Eddy Merckx vers Mourinx, avec une étape où il y avait aussi beaucoup de routes. C'était après le franchissement du Tourmalet, là, Jean-Paul. Eh bien, Eddy Merckx était parti pour franchir en tête le Tourmalet. Il avait voulu le passer devant son copain, on peut dire, Van den Bosch, lequel venait de signer pour la Molteni et il n'était pas très très content. Alors il avait voulu coiffer son copain au sommet et ma foi, il était parti pour un très long raid. Il avait trouvé que l'aventure était belle et il n'a pratiquement jamais fléchi. Et derrière, au contraire, le groupe des poursuivants était à fond derrière lui et ne lui reprenait pas grand-chose. Et donc Eddy Merckx l'a emporté à Mourinx-Villeneuve. Mourinx-Villeneuve qui, il y a quelques années, le Tour de France, il y a 2 ans, je crois, a inauguré un vélodrome Eddy Merckx. Tyler Hamilton avec toujours ses jambes qui tournent parfaitement, Laurent, au sommet de Bourdine-Curuchetta dans le brouillard. Au sommet, dans le brouillard, oui, j'allais vous dire dans le brouillard, la descente va être dangereuse, on n'a pas beaucoup de visibilité ici, c'est toujours un souci pour les coureurs quand le brouillard tombe d'un coup comme cela, c'est une descente qui est sinueuse et donc il faudra être attentif bien sûr aussi bien pour lui mais aussi pour les poursuivants derrière, c'est une descente où il va falloir anticiper les trajectoires avec beaucoup de difficultés puisque la visibilité est allée de 50 mètres.
Hamilton passé en tête au sommet de Bourdin-Kurucheta. Derrière, toujours le groupe des 5 reconstitué avec Mihailovic, le Croate d'Alessio en première position devant Ludovic Turpin, le Français d'AG2R Prévoyance, Kurt Van de Wover, le Belge de Quickstep David Amon, Juan Miguel Mercado, l'Espagnol de la Banesto et le champion du Danemark, Nicky Sorensen de la formation CSC. Ils avaient tout à l'heure 2 minutes 44 secondes de retard sur Hamilton. C'était après le passage au sommet de Bagargi. On va faire les écarts. La dernière tendance, c'était une légère augmentation. 2 minutes 52. Classement général dans le brouillard, oui. Avec la minute et 7 secondes qui séparent Armstrong, maillot jaune, de Jan Ullrich. Et puis peut-être quelques changements avec ce rapproché tenté par Hamilton, seul en tête dans cette étape, pour essayer de revenir vers les 5 premières places du général. Thierry. Oui, avec un ensemble de coureurs, une trentaine, on s'est pas mal regroupé là dans la descente à 2 km du sommet, et le petit peloton là est emmené par les coureurs de la boulangère qui tentent de ramener Didier Rousse, pas dans un grand jour, on l'a déjà dit, en tout cas dès que la route s'élève, il est en difficulté, et ses coéquipiers Walter Beneteau, Sylvain Chavanel tentent de ramener l'ensemble du groupe dans le peloton. Alors je peux pas trop vous dire quel est l'écart, je suis dans le brouillard moi aussi, et on a un petit peu de mal à revenir à hauteur de ce groupe, et surtout du peloton maillot jaune. Dans ce groupe, il y a notamment Stuart O'Grady par exemple, Patrice Algan aussi est là pour, je vous ai dit, il y a Pedernos, il y a un autre coéquipier, c'est Tekimov, coéquipier de Lance Armstrong, une trentaine de coureurs qui vont tenter de revenir sur l'arrière du peloton maillot jaune. Les derniers écarts, Tyler Hamilton seul en tête dans la descente du col de Bourdin-Kurucheta, dans le brouillard, 3 minutes sur le club des 5, Mercado, Sorensen, Van de Wover, Mihailovic et le Français Ludovic Turpin. 3:40 sur Bogert qui revient, 4 minutes 20 sur le peloton maillot jaune, Lance Armstrong avec les autres favoris du tour, Jan Ullrich, Alexandre Vinokourov, également les Français Richard Virenque, Christophe Moreau. Où est la canicule? Où est la canicule des 15 premiers jours? Ah, elle est bien passée. On est dans le brouillard. Les 5 vont réussir à passer le col du Bourdin-Kurucheta ensemble, avec un retard qui a un tout petit peu augmenté par rapport au dernier pointage. Il était de 3,02 me semble-t-il le dernier pointage. Oh oui, ça va. Pas énorme, 3,10. Oui, 3,10, mais par rapport à Bagargi, Bernard, ils ont pris quasiment 25 secondes. Hein. Il y avait un peu plus, mais il y avait 2,44. 3 minutes 10 désormais, donc, pour le groupe de poursuite avec ce Croate Mihailovic, qui était le meilleur grimpeur de Paris-Nice l'an passé. Une purée de poids, Laurent. Oui, une purée de poids, mais là, on en sort, nous, avec le leader de la course aujourd'hui. Avec Tyler Hamilton qui fait une très belle descente et qui tout à l'heure traversait le brouillard. Il avait disparu dans la brume d'ailleurs, et il avait beaucoup d'assurance visiblement. Hein, lui qui n'est pas un excellent descendeur, eh bien, il assure dans cette descente, il descend très bien et l'écart continue d'augmenter. On a remarqué qu'il était surtout très efficace dès que la route montait. Il a encore creusé l'écart sur ses poursuivants. N'oublions pas non plus que derrière, il a un équipier dans le groupe de 5 hein, qui ne va pas rouler, à la personne de Nicky Sorensen qui l'arrange bien. Et ça va certainement décourager aussi les 4 autres coureurs qui sont motivés, j'imagine, pour revenir devant. En attendant, Hamilton fuse vers l'arrivée à 90 km/h maintenant. Alors que le peloton est toujours emmené par Dario Scioni, l'un des deux coéquipiers restants de Ivan Basso, le meilleur italien du Tour de France. 4 minutes et 32 secondes de retard. 4 minutes 32 de retard pour le peloton maillot jaune sur Tyler Hamilton. Le groupe des 5, Mercado, Sorensen, Van de Wover, Turpin, Mihailovic était passé à 3,10 et intercalé entre ce groupe des 5 et le peloton. Michael Bogert, l'ancien champion des Pays-Bas. Poursuivant toujours dans la brume. J'ai l'impression que ça s'éclaircit un petit peu. Ils vont pouvoir ressortir très bientôt. Ça va bientôt s'arranger. Les conditions de sécurité seront un peu meilleures. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelques années, Bernard, on n'aurait eu aucune image à la télévision. Hein, et cette année, enfin, cette année depuis de longues années déjà, mais aujourd'hui, la technique et les hommes
font qu'il est possible, même dans le brouillard comme ça, d'avoir encore des images et de pouvoir suivre le déroulement de la course. Et comme il y a non seulement les images, mais aussi les motosons, ça nous permet de savoir ce qu'on ne voit pas, et notamment ce que fait Didier Rousse derrière le champion de France, Thierry. Ah, si ça ne ralentit pas, ce sera difficile, hein, parce que l'écart me semble important. Dans le brouillard, c'est impossible de faire des écarts, bien évidemment, parce que si vous donnez un top, c'est pas facile de voir derrière où tout le monde arrive. Mais bon, l'écart me paraît être 1 km de montée en linéaire, donc je pense que l'écart est au-delà de la minute. Gros travail de Sylvain Chavanel dans ce groupe d'une trentaine de garçons. Tous ceux qui avaient été distancés tout à l'heure se sont quasiment regroupés, en dehors bien sûr de ceux qui avaient été lâchés tout de suite, comme David Millard, hein, très loin déjà au niveau de son placement, très très loin derrière. Il a complètement, je vais dire entre guillemets, explosé, payant au prix fort tous les efforts consentis ce matin dans la volonté qu'il avait de faire son étape. Mais si ça ne ralentit pas un peu dans le peloton maillot jaune, je ne vois pas très bien comment les trois quarts de l'équipe, ils sont six, hein, de l'équipe La Brioche-la-Boulangère, pourraient ramener aujourd'hui Didier Rousse dans le peloton maillot jaune. Mais peut-être que sur le plat, à un moment, ça ralentira. Et vu le travail concédé par Beneteau ou Chavanel, entre autres, ou Régnier, eh bien peut-être que Didier Rousse pourra revenir à sa place dans le peloton. À l'arrière justement du groupe principal dans la descente de Bourdin-Curuceta. Oui, il y a quelqu'un, il y a des coureurs du Tour de France, il y a des supporters sur le bord de la route. C'est vrai qu'on y voit goutte dans cette descente. Oui, ça descend rapidement, le peloton aussi descend rapidement sous la conduite d'un coureur de Scaltel. Et ça n'est pas très bon signe pour les coureurs des Brioches la Boulangère. L'équipe Scaltel et l'équipe face à Bortolo, oui. Enfin tout ce qui reste, enfin, qui roule pour leur leader. Hein. Ouais, oui, ce qui reste de l'équipe face à Bortolo, je pense qu'il n'a plus qu'un seul équipier maintenant. Et l'équipe Scaltel qui vont absolument vouloir, voilà, l'équipe Scaltel et l'équipe face à Bortolo. Ils ont mis chacun un coureur devant. Il y en a une qui est au grand complet. Et ça descend bien, hein, parce qu'ils ont pris 30 mètres au coureur de l'US Postal. Bon, ça veut dire qu'ils vont imprimer un bon train, mais ce n'est pas vraiment pour le moment... Un train d'enfer, c'est un train qui est très rapide et ce sera très très dur pour les hommes de la boulangère de revenir. Ils auraient besoin d'avoir un petit moment de léthargie du peloton ou un petit moment d'interrogation dans le peloton. Mihaljevic et Turpin qui ont pris quelques mètres à leur compagnon d'échappée dans le groupe des 5 en poursuite derrière Hamilton avec Van de Hoover ici et Mercado. Mais où est le cinquième? Où est passé Nicky Sorensen? Le voici. Juste derrière, eh bien Sorensen n'a pas trop de soucis à se faire maintenant qu'il est sorti du brouillard. Comme le disait Laurent tout à l'heure, il n'a plus qu'à rester dans les roues et attendre que ça se passe. Les derniers écarts, Bernard. 3,21 donc d'avance pour Hamilton sur le groupe des 5. 3,45 sur Bogert et 4 minutes 20 sur le peloton maillot jaune. C'est dire que derrière Hamilton qui ne perd absolument rien sur le peloton. Eh bien, ça se resserre entre le groupe des 5, Bogert, et le peloton maillot jaune. Et les poursuivants qui perdent de plus en plus de terrain. Et Hamilton qui continue très bien. De toute façon, on n'a pas autre chose à faire qu'à faire la descente. Et on fera les comptes au bas de la descente. Et là... On verra ce qu'il y a lieu de faire, mais de toute façon, pour le moment, il n'y a pas lieu de ralentir. Oui, pour l'instant, pourtant, les 5, ils vont de bon cœur, hein, parce qu'ils sont à 50 mètres l'un de l'autre. À 50, j'exagère un peu, mais ils sont tous éloignés les uns des autres. Ça veut dire qu'on descend pourtant rapidement en tête du groupe des 5. Bien, non seulement ils ne reprennent rien sur Hamilton, c'est lui qui leur reprend un peu de terrain. Hamilton qui flirte avec la quatrième place du général, hein, au nez à la barbe de Zubeldia et Maillot, en devançant également Basso, qu'il devançait ce matin de 54 secondes au général. Et c'est donc pour ça que les équipes Scaltel et Fassa Bortolo mènent la chasse en tête de peloton. Ah mais il a virtuellement repris la quatrième place à Zubeldia et Maillot. Bon, peut-être que sur les 67 km de plat qui sépare Hamilton de l'arrivée, ben peut-être que sur cette longue distance, il va être handicapé par rapport aux équipes qui vont rouler derrière lui si elles savent bien s'organiser. S'ils ont encore des moyens de s'organiser, parce que c'est une gifle aujourd'hui, hein, pour l'équipe Scaltel.
annoncé partout, notamment Zubeldia qui avait dit oui, nous n'avons pas donné satisfaction à tous nos supporters qui sont venus nous encourager, nous attendre dans les autres étapes des Pyrénées. Donc aujourd'hui, nous leur donnons rendez-vous, nous serons là. Nous avons une revanche à prendre, mais pour l'instant, ils n'ont pas vraiment pris la course par le bon bout là, pour prendre la revanche. Donc maillot jaune qui doit comprendre encore une bonne trentaine de concurrents dans la descente ici de Bonin-Curuceta. Avec trois coureurs de Kelme, un queue de peloton, deux hommes de Jean de la Tour juste devant, un coureur de Cofidis aussi, et un homme de la Rabobank là en avant-dernière position. Après la descente à Saint-Jean-le-Vieux, à 60 km de l'arrivée, il y aura un sprint intermédiaire, un autre à Irisari, un petit peu plus loin, avec des bonifications à prendre. Alors Hamilton va certainement prendre les premières, 2 fois 6 secondes. Et pour l'instant, les autres bonifications seront pour les membres des groupes de contre-attaque. Mais sans doute pas aujourd'hui. Coolrich ira se battre pour essayer de reprendre quelques secondes au sprint intermédiaire à Lance Armstrong. On va certainement se concentrer sur le dernier rendez-vous, le fameux duel entre Pornic et Nantes sur 49 km samedi pour décider du sort du tour, avec un Lance Armstrong ressuscité, rasséréné par sa victoire d'étape à Luzardiden, leader du classement général, avec une avance importante et faible à la fois, 1 minute et 7 secondes sur Jan Ullrich. Hamilton se restaure, Laurent, il a bien raison, parce que son raid va être long. Long encore. Oui, il se restaure, ça prouve qu'il est encore lucide. Il a raison, bien sûr qu'il a raison. Et puis je crois que même si la lutte paraît inégale, puisqu'il est tout seul et derrière il y a un groupe qui le prend en chasse, faut pas oublier que c'est lui qui les a abandonnés dans la montée, c'est lui qui les a lâchés. Ça veut dire simplement qu'il est plus fort qu'eux. Même s'ils arrivent à collaborer, ils sont quand même à plus de 3 minutes. Le parcours est favorable, c'est vrai, pour un petit groupe qui chasse derrière. Mais Hamilton, n'oublions pas que c'est un grand rouleur. C'est surtout un spécialiste du contre-la-montre. Et aujourd'hui, il fait preuve d'une grande fraîcheur finalement. En attaquant de loin, c'est un coureur qui a compris que s'il voulait essayer de gagner l'étape, mais surtout remonter au classement général, il lui fallait attaquer de loin, il lui fallait prendre des risques. Et bien il a pris ses risques, il est parti, c'est vrai, pour un long raid en solitaire, mais je le sens tout à fait capable de l'amener jusqu'au bout, ce raid solitaire. En tout cas, sauf grosse défaillance, pour l'instant, il roule à 60 à l'heure sur une partie plane. Il va falloir rouler vite derrière pour revenir. Hein. Je ne sais pas si les coureurs qui le poursuivent ont la capacité de rouler plus vite que ça. En tout cas, lui, pour l'instant, il ne faiblit pas, il continue à bien progresser dans une position assez aérodynamique et il prend le soin de se restaurer. Donc visiblement il est bien parti pour mener ce raid le plus loin possible et peut-être jusqu'à l'arrivée, avec au passage des secondes de bonification. Il y a 2 sprints où il va pouvoir prendre à chaque fois 6 secondes, ça c'est pratiquement acquis. Et s'il arrive au bout, n'oublions pas qu'il y a 20 secondes à l'arrivée également, ça fera en plus du temps 32 secondes de bénéfice. Donc pour l'instant c'est tout bénéfice pour Hamilton. Et Richard Viron qui a pris la poudre d'escampette, semble-t-il, dans la descente avec un de ses coéquipiers. Il se retourne, Richard Viron, dans la descente de Bourdine-Curuceta. Visage reposé, sourire aux lèvres. Freine derrière. Ça freine derrière, dit-il. Ils sont fanés. Richard Viranc est parti donc en contre avec Luca Paolini, son coéquipier. Alors qu'il y a déjà devant, dans le groupe des 5 derrière Hamilton, un autre de ses équipiers, le Belge Van de Woever. Paolini Viranc se retourne. Je ne sais pas quel est l'écart sur le peloton maillot jaune. Ils doivent s'interroger parce que là, ils sont en poursuite derrière Van de Woever, leur équipier. C'est peut-être pas vraiment, d'autant plus que l'écart par rapport aux poursuivants d'Hamilton, l'écart entre ses poursuivants et le peloton n'était pas très très important. Et pas sortir des Pyrénées sans faire une petite échappée. Voilà le peloton. Ouais, soit il faudrait qu'il s'en aille tout de suite, soit qu'il ralentisse immédiatement pour éviter que le peloton ne revienne trop vite sur Van de Woever. Hamilton en tête, 3 minutes 13 d'avance sur le groupe des 5. Mercado, Sorensen, Van de Woever, Turpin, Mihailovic. Et à 3:30,
Bogert, le coéquipier de Mark Waters que vous voyez ici dans sa 48. Stéphane Goubert, c'est le 216, le meilleur français du tour. Très très belle vallée, le coureur approche des gorges du Lauribar avec ses nombreuses sources et torrents. Richard Virenque repris après sa petite fugue et toujours Scaltel et Fassa Bortolo, un coureur de chaque équipe pour tenter de limiter l'écart avec Tyler Hamilton, parti à la conquête de l'une des cinq premières places du classement général du Tour de France. Christophe Moreau à gauche devant Vinokourov, toujours bien placé dans ce tour du centenaire. Hamilton qui relance encore. 63 km de l'arrivée. Axe. La fin d'étape est décaféinée, nous disait il y a quelques jours Francis Lafargue de chez Banesto. On aurait pu faire plus rude, plus dur. Les organisateurs du Tour ont certainement estimé à juste titre qu'il y avait eu suffisamment de cols, de montées, de rampes, de côtes, de descentes vertigineuses depuis le départ. Et c'est sur ces routes que Tyler Hamilton va tenter d'aller chercher la victoire d'étape. 3,22 sur les 5 qui seront bientôt 6 puisque Bogert n'est plus qu'à 8 secondes maintenant. L'équipe CSC qui a déjà triomphé deux fois sur ce Tour de France avec Carlos Sastre et avec Jakob Pihl. Et Hamilton qui aura certainement préféré que l'on prenne des routes un peu plus caféinées, pour reprendre le terme de Francis Lafargue. Ça lui aurait permis d'être moins désavantagé par rapport au peloton. Peloton qui va pouvoir s'organiser un peu mieux sur des routes un peu plus droites et un peu plus plates. Alors que sur des petites routes en montée, descente, avec beaucoup de virages, eh bien, un peloton est beaucoup moins avantagé par rapport à un homme seul. Ça va Laurent, tout va bien ? On va le retrouver dans un instant Laurent, on va aller voir Thierry tout de suite avec Didier Rousse qui... Ah voilà, Bogert, ça y est, confirmation. Donc ils sont désormais 6 en chasse puisque Michael Bogert a un bel effort dans la descente du col de Bourdin-Curocheta. Revient sur Mercado, Sorensen, Van de Hoover, Ludovic Turpin, le français et Vladimir Mihailovic. Thierry. Oui, avec un contre-la-montre par équipe pour la brioche, la boulangère, puisque quatre de ces coureurs viennent de sortir du groupe de 30, là, dans lequel ils étaient dans la descente. Ils ont fait une descente à tombeau ouvert, on peut dire qu'il y a des spécialistes. Et les quatre, c'est Sylvain Chavanel, c'est Didier Rousse, c'est Franck Renier, c'est Walter Veneto qui tire la langue parce qu'il vient de faire un effort considérable. Ils sont tous les quatre hein, sur la route, ils ont lâché tout le monde et ils reviennent à l'arrière des voitures. L'écart tout à l'heure était de 43 secondes entre le groupe maillot jaune et donc... l'équipe La Brioche La Boulangère, on peut dire ça comme ça, et 1 minute 05, ça c'est une information pour Roger Leget qui s'inquiétait de savoir où était Stuart O'Grady. Il est dans le groupe de 25-26 derrière à 1.05 donc du groupe maillot jaune, et il y a quelques chances de voir peut-être les Didier Rousse revenir dans le peloton. Il y a même de fortes chances puisque après ce très bel effort dans la descente, c'est vraiment un travail d'équipe hein. On dit toujours que le vélo c'est d'abord un travail individuel, mais c'est aussi par moments un travail d'équipe qu'il faut savoir sentir. Eh bien, les quatre garçons vont revenir dans le peloton après un bel effort et un beau travail d'équipe bien dans la philosophie de la brioche la boulangère. Et Tyler Hamilton qui a désormais 4 minutes 35 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune, un écart qui continue à croître seconde par seconde. Au sprint de Saint-Jean-le-Vieux à 60 km de l'arrivée, il va donc aller chipper 6 secondes de bonification. Ils feront peut-être des petits tout à l'heure avec le second sprint intermédiaire et pourquoi pas avec ensuite les bonifications de l'arrivée à Bayonne. Et entre le groupe de contre, le groupe des 6 désormais puisque Bogert est revenu, eh bien il y a un peu plus d'une minute entre ce groupe intercalé et le peloton maillot jaune.
parle beaucoup anglais sur ce Tour de France, Jean-Paul. On a vu les Australiens dominer en début de tour, les Américains avec Armstrong, maillot jaune, vainqueur d'étape avant-hier, Hamilton en tête là maintenant. Oui. Alors que on parle basque aussi en ce moment, puisqu'on est à Saint-Jean-le-Vieux et tout à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, avec de très très beaux panoramas. Saint-Jean-le-Vieux qui est au pied des cols, de Cise, au pied des ports, comme on dit, parce que port c'est le col, franchissable en toute saison. Dario Scioni emmène toujours le peloton principal devant un coéquipier de Scaltel et Rubira, premier des lieutenants de Lance Armstrong en tête de ce peloton. Didier Rousse revient, Thierry. Oui, avec un bel effort, un gros travail. Travail réussi par l'équipe La Brioche, La Boulangère. Et bien Didier Rousse qui avait quand même presque une minute de retard en haut du col a réussi à revenir à ce niveau. Et ça fait sourire Jean-René Bernodeau parce qu'il a eu peur dans cette affaire. Hein. Non, Didier n'est pas dans une grande journée, mais on a une équipe qui fonctionne bien autour de lui. Bon, toute l'équipe des Brioches et Boulangères l'a attendu. Je pense que c'est la moindre des choses par rapport à tout ce qu'il apporte à l'équipe. Et je pense qu'on ne pouvait pas finir ce tour en laissant notre leader naturel comme ça dans le dernier col. Donc pas de problème, on est une bonne équipe de descendeurs en plus, on avait une petite marge. Je suis assez content d'eux, je pense qu'ils doivent être fiers d'avoir ramené Didier dans le peloton. Ils ont tiré la langue à l'image de Walter Beneteau, belle image sur le Tour de France. Et je pense que le groupe maillot jaune doit comprendre maintenant 35 coureurs me semble-t-il. Et je peux vous dire qu'on chôme pas hein, dans le peloton, on est parti, on est à vive allure. Parce que là on est quand même à 70 à la moto, au compteur de la moto et ça roule hein. Les Brioches La Boulangère, la seule équipe française encore au complet dans ce Tour de France du centenaire, toujours neuf, l'une des cinq formations à compter encore tous ses membres. Dont l'US Postal de Lance Armstrong, par exemple. Ouais, ça n'est pas du tout le cas, ni pour Fassa Bortolo, ni pour Scaltel. Qui est-ce qu'à eux tous ils en font une? Non, même pas. Hein. Scaltel, ils en ont perdu. Ah non, ils ont perdu Samuel Sanchez la première semaine, puis lors du contre-la-montre. Unai et David Etchebarria. Ouais. Donc, oui, ben, eux tous, ils sont à neuf. Quoi. Ça va faire une équipe avec les deux. Mais ça compte, ça, en fin de tour. Hein. Les écarts se récupèrent beaucoup plus difficilement. Que lors des premiers jours où toutes les équipes sont au complet, où les équipes de sprinters sont hyper motivées, si c'était cette configuration de course par exemple dans la première semaine, eh bien ce ne sont pas trois coureurs qui seraient comme ça à l'avant, ce serait deux ou trois équipes. On se souvient qu'au début il y avait beaucoup des coureurs de l'auto, de la Française des Jeux, de Fassa Bortolo déjà, oui, parce qu'ils étaient nombreux, de Télécom qui était capable de rouler un train d'enfer en tête du peloton. Eh bien maintenant, non seulement dans les équipes, beaucoup de coureurs sont fatigués et ne sont plus aussi efficaces qu'avant, mais en plus, ils ne sont plus très nombreux. Comme ils sont moins nombreux, moins costauds, bien le moral s'en ressent. Ils ont beaucoup moins confiance en eux. Derrière Tyler Hamilton, aux abords, à 100 mètres maintenant du sprint intermédiaire de Saint-Jean-le-Vieux, les six contre-attaquants avec Laurent et Bogart qui en met un coup hein, depuis qu'il est revenu avec eux. Oui, Bogart évidemment qui est très motivé pour revenir sur l'avant, mais je vous rassure, ou ça vous rassurera peut-être pas, mais l'écart n'est pas réduit pour l'instant, au contraire, hein, l'écart se stabilise à 3,35. Je me suis arrêté donc derrière Tyler Hamilton pour constater de l'évolution de ce groupe. Les six coureurs maintenant, bon évidemment Nicky Sorensen ne travaille pas et c'est naturel, il a son leader devant. Et ils sont allez, une bonne minute devant le peloton et les cinq autres, à part Nicky Sorensen, s'entendent bien, ils collaborent pour essayer de revenir, mais ils ne reprennent pas une seconde pour l'instant à Tyler Hamilton qui fait un vrai numéro aujourd'hui. Ouais, incontestablement. Le coureur américain, septième au général ce matin. Toujours seul en tête, 3,35 donc sur les 6 poursuivants. Le peloton à 4 minutes 30. On aura un nouveau pointage précis après le passage sur la ligne du sprint. Le groupe toujours emmené par un coéquipier de Scaltel et un coéquipier de Fassa Bortolo.
groupe qui doit comprendre une soixantaine de membres maintenant, depuis le retour de Didier Rousse et de ses coéquipiers. Un peloton qui reprend de plus en plus de terrain aux contre-attaquants. Il se rapproche de plus en plus. Tout à l'heure, le peloton était à un peu plus d'une minute des cinq coureurs, qui sont six maintenant. Et il est maintenant à un peu moins d'une minute. Thierry. Oui, dans le peloton maillot jaune, dans les 35 coureurs qui restent, on se ravitaille. Et puis peut-être verrons-nous des maillots roses devant le peloton, parce qu'il y a eu une petite discussion. Alors, je ne connais pas bien sûr la teneur des propos, mais petite discussion entre Rolian Gorospe, le directeur sportif de Scatel, et Mario Kummer, le directeur sportif du team Télécom. Peut-être histoire de réduire l'écart encore un petit peu plus et de mettre donc une deuxième équipe au travail. Mais ça, on va voir s'il y a eu discussion et s'il y a eu aussi accord entre les deux équipes. Et puis dans les discussions, il y a Sandy Cazard et Sylvain Chavanel qui viennent de discuter du petit coup qu'ils viennent de faire avec la boulangère, et ça a beaucoup fait sourire Sylvain Chavanel. Chavanel Cazard, espoir du cyclisme français. Sandy Cazard qu'on a vu en tête dans les premières minutes de course. Hamilton au sprint de Saint-Jean-le-Vieux, passé premier devant Mihailovic et Bogert avec plus de 3 minutes 35 secondes d'avance, 3.37 précisément sur les 6 en contre-attaque et 4.32 sur le peloton. Effectivement, ça se rapproche entre le groupe de contre et le peloton, plus que 55 secondes, mais pour Hamilton, eh bien, tout va bien, toujours le même écart. Un impossible rêve de Tyler Hamilton d'aller jusqu'au bout à Bayonne, de remporter l'étape et d'effectuer un rapproché au général. Qui doit se rapprocher de la côte de Bonnet-Belchenea. 3.40, 3.430, oui, ça va faire 45 secondes. Une attaque de Ludovic Turpin. Il y a une mésentente chez les poursuivants. Poursuivants qui ont été avertis que le peloton revenait de plus en plus sur eux et dont certains ont certainement arrêté de rouler. On dit que c'est inutile de poursuivre ce combat parce que nous allons être rejoints un peu plus loin. Puis d'autres, eux au contraire, veulent essayer de poursuivre. Et qui sur Hansen, le champion de Danemark, il ne mène toujours pas, c'est logique. Son leader Tyler Hamilton est devant, il reprend sa place. Ici en avant-dernière position du groupe, Mercado va le dépasser. Michael Bogert, lui, mais évidemment, il veut continuer. Il a fait un gros effort pour revenir devant. Et ça ne fait pas 5 km ou 10 km qu'il a rejoint les poursuivants que déjà ils veulent se relever pour attendre le peloton. C'est sûr que lui, ça ne l'arrange pas. Peloton toujours emmené par Euskaltel. Par Ivan Basso. Alors on va voir si Gorospe a été convaincant auprès de Kummer pour essayer de s'allier et pour empêcher Hamilton de revenir prendre les places aussi bien des coureurs de Scaltel que celle de Vinokourov. Il est quand même à 6 minutes et quelques hein, de Vinokourov Hamilton. Donc pour l'instant, il ne menace absolument pas Vinokourov. Et en toute logique. Il ne le menace pas, mais il risque de le menacer après le contre-la-montre entre Pornic et Nantes samedi soir. Enfin, il peut en tout cas effectuer un beau rapproché. Pourquoi espérer être sur le podium à Paris. C'est à 4 minutes 30 maintenant. Je pense qu'il va reperdre un peu sur la fin de parcours. Donc... ça va être difficile, hein, je pense, de convaincre l'équipe Télécom de commencer à rouler dès maintenant. Oui, et Tyler Hamilton qui est presque le seul maintenant à pouvoir empêcher une arrivée au sprint, Thierry, là, parce qu'il y a du monde derrière dans le groupe Armstrong. Qui est-ce qu'il y a d'ailleurs précisément? Alors, dans le groupe Armstrong, je crois qu'il n'y a pas de sprinter, mais en revanche, il y a un sprinter qui est dans le groupe qui est juste derrière. Ça doit être Stuart O'Grady. Je vais vérifier parce que ce groupe est revenu à 21 secondes du peloton. Donc effectivement c'est la possibilité, on va remonter le peloton, s'est arrêté pour faire l'écart 21 secondes, c'est pour cela qu'on avait, je m'en doutais bien, arrêté toutes les voitures sur le bord de la route.
Et donc il est bien. Tout à l'heure, Stuart O'Grady était dans ce groupe-là. Donc on va vérifier, voir si il arrive à revenir dans le peloton maillot jaune. Bon, je pense que le groupe là, va revenir. Ça va faire une 55 coureurs hein, dans le peloton. Et je pense qu'il doit y avoir Stuart O'Grady dans ce groupe-là. Mais ça doit être le seul sprinter hein, qui est encore dans ce groupe. Les écarts revenus en troisième position ici pour tenter de réduire l'écart. Poulet Postal voit ça avec beaucoup de philosophie. Hein. Il doit être très content, tranquille c'est... derrière. Oui. En plus, Hamilton, il s'entend plutôt très bien avec. Alors qu'il y a un coureur qui a quitté le groupe des 6, Laurent. Oui, je suis reparti avec Hamilton. D'accord. C'est Ludovic Turpin qui est parti en contre. Vous savez, je pense pas qu'il puisse revenir tout seul. C'est même une certitude, il ne reviendra pas tout seul. Hamilton est impressionnant. Et véritablement, il fait un parcours extraordinaire. Là, il est efficace, mais alors c'est impressionnant. Ce garçon, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est d'abord un spécialiste du contre-la-montre. Et là, il sait qu'il tient peut-être sa première victoire d'étape dans le Tour et qu'il a un gros coup à jouer au niveau du général. Et moi, je suis très sceptique sur les chances de retour du peloton et même sur leur capacité à réduire cet écart. Hein. Si Scaltel commence à aller chercher un petit peu du secours du côté de Télécom, évidemment pour Mino Kourov, pour l'instant sa place elle n'est pas en danger. Elle pourrait l'être évidemment pour le contre-la-montre, mais ça veut dire surtout que les Scaltel sont à bout de course et qu'ils ne sont pas capables de réduire cet écart et qu'ils ont besoin que quelqu'un vienne leur prêter main forte. Et visiblement ce n'est pas le cas, donc l'écart ne me semble pas pour l'instant prêt à être réduit. Et en tout cas pour l'US Postal c'est la bonne affaire, ils n'ont pas eu à beaucoup travailler aujourd'hui finalement. Ils ont trouvé des alliés de circonstances un petit peu comme chaque jour, et comme vous l'avez dit, Hamilton c'est un coureur qui a été dans cette équipe, qui n'est pas dangereux pour l'instant pour eux, et donc ils ne vont certainement pas faire une débauche d'efforts pour le faire perdre avant tout. Peloton de plus en plus nombreux puisque un groupe revient sur le peloton Armstrong. C'est sans doute le groupe qui comprenait tout à l'heure Stuart O'Grady dont Thierry nous parlait. Nous avons une quinzaine de coureurs qui vont grossir le peloton maillot jaune. Et il y a Isabelle dans le groupe qui revient, Thierry. Exactement, c'est ce que je voulais vous confirmer. C'est pour ça que tout à l'heure, donc il y a bien eu discussion entre Gorospe et Kummer, les deux directeurs sportifs. Et à un moment, j'ai vu Gorospe qui faisait un signe derrière. Donc effectivement, c'était simplement sans doute que Mario Kummer a dû lui dire « Attends, je ne vais pas faire rouler mes hommes maintenant. » D'autant que j'ai Eric Zabel qui revient derrière. Donc il y a bien deux sprinteurs dans ce groupe de 20 coureurs environ. C'est Eric Zabel et puis bien sûr Stuart O'Grady qui s'est accroché aussi, le leader des sprinteurs de Crédit Agricole, et qui a réussi à revenir, ce qui doit nous faire un groupe de 55-60 coureurs à peu près dans le peloton maillot jaune maintenant. Oui, et on va avoir une autre lutte, donc outre celle pour le maillot jaune bien sûr, celle pour le maillot vert. Pourquoi ? Puisque les trois premiers au classement, Cook, McEwen, Nussop, ne sont pas a priori dans ce groupe. En revanche, le quatrième Zabel est donc là, Thierry vient de nous l'apprendre, et O'Grady, cinquième, est également dans le groupe. Alors il y aura des points à prendre évidemment pour revenir au classement de ce maillot vert qui est très serré, comme il l'a été les deux dernières années, avec la victoire le dernier jour l'an passé de Robbie McEwen sur Eric Zabel et le succès il y a deux ans de Zabel sur O'Grady dans les tout derniers sprints, les derniers sprints intermédiaires et les Champs-Élysées lors de l'ultime étape du Tour de France. O'Grady est à 34 points de Cook. Zabel à 30 points. Ouais, juste un petit rappel du règlement, Christian. C'est que malheureusement pour les sprinters, aujourd'hui c'est classé étape haute montagne, donc ça marque moins de points quand on gagne l'étape. Si ça avait été comme les étapes de plat avec 35 points au premier, le coup était vraiment valable, jouable. Hamilton voilà. Sommet de la côte de Bonnette Belchenea à 51 km de l'arrivée. Étape de haute montagne, Bernard, ça fait 20 au premier, 17 au deuxième, 15 au troisième, 13. Alors qu'une étape de plat, c'est 35. Hein. Donc ça permettrait, si Isabelle était vainqueur d'une étape, si cette étape, ça fait beaucoup de si, vous me direz, mais bon. On va faire un peu d'un petit scénario. C'est si c'était une étape avec 35 points, Isabelle pouvait prendre le maillot vert aujourd'hui. Et bien aujourd'hui, ça serait impossible, puisque même s'il gagnait l'étape, il ne reviendrait qu'à 10 points de Baden-Cook.
et à 2 points de McEwen. Enfin, ça sera déjà une bonne chose. Ça revient à 10 points de Cook et à 2 points de McEwen. Vous pourrez voir la vie en vert d'un peu plus près. Cela dit, je suis tout à fait de l'avis de Laurent quand il dit, attendez, Hamilton, il n'est pas rejoint encore. Non, il est 4 minutes 54 non, secondes devant. C'est-à-dire que ça augmente sans arrêt sur le peloton. Peut-être plus faire l'effort pour essayer de viser les 17 points de la deuxième place. Plutôt que de se démunir totalement, on va chercher une victoire aléatoire. ...4,56 le peloton. Oui, ça ne cesse d'augmenter. Est en perpétuelle augmentation. Ça ne cesse d'augmenter. Il est donc quatrième virtuellement du Tour de France, alors que Ludovic Turpin est donc sorti du groupe de poursuite. Pas le même style qu'Hamilton. Il semble nettement plus fatigué. Il est nettement plus fatigué, Ludovic Turpin. En train de faire un sacré raid Hamilton en tête de la course. Vous avez vu l'écart là. Les 5 vont être repris dans un instant par le peloton. Il ne restera plus en équilibre que Ludovic Turpin derrière Hamilton. Toujours Dario Scioni. Botero revenu dans le groupe. Le temps de 55 ou 60 coureurs, nous disait Thierry. Christophe Mangin qui est là également, Didier Rousse, Walter Beneteau. Quel Blödsoen, il y a Paolo Bettini derrière les arbres. Dans Tochnig. Ça fait un sacré beau peloton. Eric Zabel et Stuart O'Grady dans les toutes dernières positions. Alors que Mihailovic, Bogert, Van de Wever, Sorensen vont être repris par le peloton maillot jaune. Bogert veut encore y croire. Bogert devant Mihailovic, Van de Wever, Sorensen. Et le peloton là-bas, dans le virage. Bogert aura tenté un beau coup en partant dans la descente de Bagargui. Seront inéluctablement rejoints par le peloton, ces hommes. On va voir après la descente, ou tout au moins après la côte de Bonnet Belnechea. Frédéric Turpin sur pardon. Est-ce que les Télécom vont essayer de rouler tout de suite après la côte. Il restera 9 km avant le sprint d'Irassi. Ou si ils rejoignent Ludovic Turpin, il y aura encore 4 points à prendre. Ça peut être, on ne sait jamais. Hein. 4 points, c'est toujours bon à prendre dans la victoire pour le maillot vert. Un coureur de la Cofidis parti en contre derrière Bogert, Mihailovic, Van de Wever et Sorensen qui va les passer sans coup férir. Lancé dans un premier temps à la poursuite de Ludovic Turpin qui passe à l'instant au sommet de la dernière côte répertoriée aujourd'hui au classement du meilleur grimpeur. C'est Massimiliano Lelli. C'est Lelli qui est parti. C'est le champion d'Italie, le troisième du Giro au début des années 90. L'un des vieux combattants du peloton, Servidor fidèle, toujours disponible. Et le peloton maillot jaune à nouveau à son tour au sommet de la dernière côte du jour. Bonnet Belchenea, 51 km de l'arrivée à Bayonne. Et comment va Little Big Man Hamilton devant Laurent? Il va bien, hein, je vous garantis qu'il va bien. Il est,
il est toujours très efficace. Et je vois d'ailleurs Bernoris qui consulte le classement général. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, on pense bien sûr à la remontée au général. Alors que l'on a déjà pensé depuis un petit moment à la victoire d'étape. À mon avis, il ne semble pas de toute façon se désunir. Pour l'instant, il continue à rouler très très vite. Hein. Il roule à 60 à l'heure. Bon, le parcours, attention, n'est pas facile. Hein. Il semble plat sur le profil. Mais je peux vous garantir que sur le terrain, c'est un parcours très vallonné. Et donc, pour une chasse, pour les poursuivants, ce ne sera pas facile non plus. D'autant plus que dans le peloton, on le voit bien, l'équipe Euskaltel est fatiguée. Elle n'arrive pas à réduire cet écart. Il va falloir être très attentif, surtout à la réaction des télécoms. Est-ce qu'ils vont être en danger avec Vinokourov pour la troisième place? C'est possible, et auquel cas, avec le retour de Zabel, on peut imaginer qu'il participe finalement à la poursuite. En tout cas, pour l'instant, du côté de l'échappée, ça se passe très bien. Hamilton dépense une énergie énorme, mais ça, c'est normal. Et il se bat avec tout son cœur, tout son courage. Et je pense que pour un coureur qui a beaucoup souffert dans ce début de tour et qui s'est beaucoup donné pour continuer, ben aujourd'hui il sent qu'il est en train de faire un gros coup, et ça le pousse à aller encore plus loin dans l'effort. Ludovic Turpin toujours en équilibre à 4,41 de Tyler Hamilton, le peloton à 5,02, et de la parole aux actes, Santiago Botero, le Colombien, emmène désormais ce peloton maillot jaune, portant ainsi main forte aux formations face à Bortolo et Euskaltel qui assuraient jusque-là seule la poursuite. Formation face à Bortolo, en l'occurrence l'unique Dario Scioni, et Euskaltel avec également un coureur, c'est désormais Roberto Laiseka. Sommet de la côte de Bonnet-Belchenea, Hamilton en première position devant Ludovic Turpin et Massimiliano Lelli. Confirmation, Lelli parti en contre il y a un instant derrière Turpin, à une poignée de secondes seulement hein, devant ce peloton, alors que Hamilton lui est loin devant. 5-18 dernier écart, ça prend des proportions considérables cette affaire. 5 minutes 18 secondes d'avance pour Tyler Hamilton sur le peloton maillot jaune, alors que Lelli tente de revenir dans un premier temps sur Turpin. Ils avaient tenté d'allumer la mèche par tous les moyens en début d'étape, notamment pour David Millar. Échappé dans le bon groupe, David Millar, il avait parfaitement estimé la situation, sauf qu'il n'a pas eu les jambes après sa maladie, il n'a pas eu les jambes pour rester dans le col du Soudet et dans Bagargui avec les meilleurs, et notamment ensuite avec Hamilton. D'ailleurs, pour le rassurer, personne n'a pu rester avec Hamilton, qui file seul vers Bayonne. Et Lely rejoint Turpin. Alors se mettre dans la roue, Ludovic. Ouais, il a terre à s'élancer parce qu'il arrive beaucoup plus vite. Hein. Il va certainement rester un petit moment dans la roue. Mais là, les deux viennent de faire un bon effort. Là, hein. On voit bien comment ils vont réussir à bien gérer leur course et puis à bien s'entendre. Lely vient de rattraper Turpin, donc il va espérer que Turpin prenne le relais le temps qu'il se ravitaille. Tyler Hamilton aux abords du second sprint intermédiaire du jour à Irisari, 42 km de l'arrivée, en train de grimper vers les premières places, toutes premières places du classement général. Il était 7e ce matin, il sera peut-être 4e ce soir, derrière Armstrong bien sûr, Ulrich et Vinokourov. Lui qui avait été couvé forcément après sa chute de Meaux, soigné jusqu'à 2h, 2h30 par soir. Il y avait des épaisseurs supplémentaires, un vélo façon Paris-Roubaix pour se protéger. Sa guidoline pendant quelques jours, une position aussi avancée. Il a retrouvé il y a quelques jours sa position normale et il a retrouvé toutes ses forces, semble-t-il, Laurent. Hein. 4,59. Pour Hamilton sur le duo désormais de Massimiliano Lelli et de Ludovic Turpin, et 5 minutes 19 sur le peloton maillot jaune. Laurent. Oui, Hamilton qui passe maintenant au sprint bonification, au deuxième sprint, et encore 6 secondes de mieux pour lui, de réduite sur ses poursuivants.
Eh bien, Hamilton, il ne faut pas l'oublier, aura aussi à son bénéfice le contre-la-montre. C'est un excellent rouleur, on l'a dit déjà plusieurs fois depuis tout à l'heure. Mais il est surtout maintenant en train de flirter avec la troisième place du podium. Mais attention, il est en train de peut-être de détrôner Vinokourov de la troisième place du podium, 5 minutes 19. Et n'oublions pas qu'il est très bon rouleur contre la montre. Donc Hamilton est en train de s'installer, en tout cas très aisément devant les coureurs basques, beaucoup plus favori qu'eux, en tout cas pour assurer une place sur le podium maintenant. Oui, puis il est aussi en train d'offrir à sa formation CSC le classement, la victoire par équipe. Hein. CSC en tête ce matin avec 6,58 d'avance sur Euskaltel et 14,08 sur l'US Postal. Il est pour l'instant à 45 secondes du podium, la troisième place du podium du Tour. Malheureusement pour lui, on a l'impression que les télécoms ont senti que ça représentait vraiment un danger pour eux. Et ils ont mis Botero, qui a l'air d'avoir retrouvé de l'efficacité comme rouleur. Santiago Botero, 75e classement général de ce Tour de France, à plus de 2h11 d'Armstrong. On va voir comment réagit le peloton, puisque Lely et Turpin doivent vraiment être au maximum là pour pouvoir sortir du peloton. Si le peloton revient sur eux, c'est vraiment que le peloton a lancé la chasse derrière ces deux-là, mais surtout derrière Hamilton. Et il faudra voir aussi jusqu'où ou jusque quand vont collaborer les télécoms. Puisque pour eux, l'important, c'est de maintenir un écart raisonnable entre le peloton et Hamilton, finalement. Alors, est-ce qu'ils vont collaborer jusqu'au bout? On va voir. Il y a deux options pour les télécoms. Hein. Soit ils roulent vraiment jusqu'au bout, en ne gardant pas trop de force pour la fin, soit ils maintiennent un écart qui les laisse à l'abri de toute surprise de la part d'Hamilton, et puis gardent toute leur force pour emmener le sprint à Zabel, ce qui permettrait à Eric Zabel de revenir dans la course au maillot vert. Je pense que pour eux, ça serait la meilleure solution. Lely Turpin, il se retourne, Massimiliano Lely, mais Ludovic Turpin, il a déjà donné quasiment tout ce qu'il avait. Il ne va pas pouvoir lui être d'un grand secours. Il tire la langue, Ludovic Turpin. Pas d'une petite Emma. Longue ligne droite qui ne vont pas favoriser les deux contre-attaquants, juste devant le peloton. Dernier écart, 5 minutes en faveur d'Hamilton sur ces deux hommes et 5 minutes 16 sur le peloton principal qui commence à grappiller de toutes petites secondes. Il y avait 5 minutes 20, 5 19, 5 16. Ça réduit un peu depuis que Santiago Botero a prêté main forte aux Euskaltel, notamment à Roberto Laiseka, devant 6 équipiers d'Armstrong. J'ai passé une journée somme toute tranquille. Il est certain que son coup de force vers Luis Ardiden a marqué les esprits de ses plus proches rivaux, quoi qu'en dise Jan Ullrich. Et leur duel va désormais se concentrer sur ce grand rendez-vous, dernier grand rendez-vous du Tour, samedi entre Pornic et Nantes, sur 49 km d'un circuit quasiment plat. Thierry avec Vincent Lavenu pour donner un petit coup de chapeau à Ludovic Turpin. Oui Vincent, Ludovic Turpin fait une belle étape, mais là un petit peu entre les deux il fait l'équilibriste et ça ne sert pas à grand chose quoi. Bon, non, je pense pas que ça serve à rien, je crois que c'est toujours positif que d'avoir des coureurs qui vont à la bagarre, même si Hamilton à l'instant semble un petit peu intouchable, notamment avec un ou deux coureurs en contre. Mais je crois que de toute façon, ça sert toujours quelque chose parce que les coureurs prennent de bonnes habitudes d'aller devant. Ils retrouvent des sensations qui sont constructives. Donc c'est toujours positif. L'objectif, c'est de rester dans un groupe de 5 et éviter le retour du peloton. Mais ce ne sera pas facile. Hein.
Non mais bon, là le peloton va revenir. Bon, maintenant il risque d'y avoir d'autres échappées qui vont se créer, et ce que je demande à mes coureurs, c'est qu'ils fassent partie des échappées. Ça a été une dure semaine pour vous, c'est encore difficile, on sent qu'il y a beaucoup de tristesse dans l'équipe. Oui, c'est évident, bon, les coureurs ont du mal à remettre en route, comme on dit, avec le drame qui nous a touchés. Bon, là ils sont dans la course, évidemment ils pensent à la course, mais c'est difficile avant et après, évidemment. Merci Vincent. Sous la banderole du deuxième sprint intermédiaire du jour, 5 minutes et 2 secondes de retard pour Ludovic Turpin et Massimiliano Lelli, 5 minutes 16 secondes pour le peloton maillot jaune Lance Armstrong, emmené désormais par un coureur de la formation Télécom Santiago Botero et deux coureurs de l'équipe Euskaltel. Loin derrière Tyler Hamilton, en train de faire un grand numéro. Et les coureurs viennent de passer donc à Irisari. Irisari qui était une commanderie de Saint-Jean de Jérusalem et qui a été aussi une commanderie de Malte. Et nous sommes sur les rives du Lacaco Erika en basque. 5-15, dernier écart pour Hamilton qui ne perd quasiment rien sur le peloton. Petit coureur américain dont tout le monde loue la gentillesse. C'est Nicolas Jalabert qui nous disait il y a quelques jours, mais il est presque trop gentil. Ben, c'est bien d'être gentil en dehors de la compétition quand on peut être pugnace sur le vélo et avoir beaucoup de volonté. C'est ce qu'ils démontrent en ce moment. Massimiliano Lelli et Ludovic Turpin, pour eux, l'aventure sera finie dans quelques instants. L'Italien vient de se retourner, de le constater. Voilà. Petite conversation sans doute avec Francis Van Mondersel. Et c'est fini pour eux. Il n'y a plus qu'un homme en tête. Situation très simple. Un homme en tête, Tyler Hamilton, à 5 minutes 10, ce peloton qui se reconstitue avec Mario Hartz maintenant, qui vient aider Santiago Botero. Les télécoms ont décidé de rouler, et plus uniquement avec un seul homme. Ils sont 5 aux 7 premières places du peloton. La télécom pour Vinokourov et pour Zabel, double objectif, a décidé de réduire l'écart dans cette dernière étape de montagne du Tour de France. Et les hommes d'Armstrong, les hommes bleus d'Armstrong entourant le maillot jaune, ont un peu reculé pour laisser les premières places donc aux équipiers de Vinokourov et de Zabel. Deux sprinteurs, nous disait Thierry, dans ce groupe, Eric Zabel bien sûr et Stuart O'Grady, le champion d'Australie. C'est l'avantage du leader dans les dernières étapes du Tour, tout le monde défend des positions. Et finalement, il y a beaucoup moins de travail à faire qu'au début. Chacun ici, bon, donc ce sont les Euskaltel qui ont défendu leur 4e et 5e place. Ce sont les télécoms, vous l'avez dit, pour deux objectifs. Empêcher Hamilton de venir chatouiller Vinokourov pour la 3e place. Et puis en même temps, on est Rick Zabel pour marquer des points vers le maillot vert. Thierry avec le peloton. Oui, avec un peloton qui roule, nettement au-dessus de ce que c'était tout à l'heure, parce que d'un seul coup, la télécom a mis trois hommes devant. Ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans ce peloton, donc ils peuvent se permettre de mettre du monde. Et donc trois maillots roses devant avec deux maillots orange Euskaltel, Euskadi. Mais voilà, la chasse est partie. La célèbre souris Hamilton va-t-elle être mangée par le gros chat rose et orange? C'est joli pour un chat. C'est toute la question à laquelle je vous laisse répondre. 5 minutes 11 encore d'avance. Son écart maximal était de 5 minutes 20. Il ne faiblit pas du tout, Tyler Hamilton. Même si c'est vrai que la situation a changé. Désormais, avec la formation de Vinokourov qui emmène en tête de peloton avec ici Mario Hartz. Laiseka qui donne encore toutes ses forces. Guérini en troisième position et Santiago Botero. Je vous disais qu'il y avait deux sprinteurs dans ce gros peloton maillot jaune pour une étape de montagne. Il y en a un troisième avec nous, c'est André Darrigade. Bonjour André. Bonjour. Merci d'être venu nous rejoindre. Avec dans les dernières positions ici, on aperçoit aussi Laurent Brochard, Walter Beneteau sont venus. Mercado aussi qui était devant tout à l'heure. Avec un gros numéro, André, de l'Américain Hamilton aujourd'hui. Hein. Oui, je pense, il reste combien, 40 km là? Oui. Oui, avec 5 minutes d'avance, je pense qu'il doit aller au bout. 36 km. 36 km. Oui, ben, je pense que là, ça sera difficile à le rejoindre, surtout que c'est un très bon rouleur. Et je pense qu'il doit gagner l'étape là.
parce que je pense que ces poursuivants, quand ils vont avoir limité un peu les dégâts, la place de Vilonkouvov, je pense qu'ils vont lever un peu les pieds. La lutte pour le maillot vert, le rapproché de Zabel, vous voyez qui en vert à Paris, vous l'immense sprinter. Ah, ça va être difficile pour Zabel maintenant. Je pense que le maillot vert est sur de bonnes épaules. Pas de Cook, il vous plaît ce Cook ? Oui. Oui, très bien. Vainqueur à Sedan en début de Tour de France. Demain ce sera Bordeaux, on va remonter de Dax jusqu'à Bordeaux. Vous avez attendu longtemps avant de gagner à Bordeaux, nous rappelait Jean-Paul l'autre jour. Oh oui, il était temps, c'est ma 22e et dernière victoire d'étape, au bout de 12 ans. Il avait du mal à gagner chez lui, hein. Il n'a pas pu gagner à Dax non plus, il avait le maillot jaune en revanche. Oui, à Dax c'était difficile parce que j'avais le maillot jaune, mais j'étais battu ici en 1956 par Fred De Bruyne. Là j'ai fait une bêtise dans le sprint, mais j'avais tellement roulé pour me rapprocher du maillot jaune. Et j'avais repris le maillot jaune et le maillot vert le lendemain à Pau. Erreur d'équipe aussi, Jean Forestier ne vous a pas emmené le sprint. Oui, ben Jean Forestier, il s'est chamaillé un petit peu avec l'Espagnol Chacon à l'entrée du Vélodrome. Ils ont failli tomber tous les deux et ça fait que je me suis retrouvé seul contre les Belges pour disputer le sprint. Dernier écart 5-0-7, ça continue à diminuer, mais les télécoms qui étaient arrivés à 5 tout à l'heure ne sont plus que 2. Et que Botero a déjà mis la flèche, c'est Giuseppe Guerini qui emmène ici devant Mario Hartz. Guerini qui avait fait un boulot absolument formidable pour Vinokourov dans la montée vers Luzardiden au pied de la dernière ascension. Laurent. Oui, c'est une lutte, on pourrait penser que c'est une lutte inégale, hein, à l'image de ce qu'on en a vécu souvent dans ce Tour de France dans la première semaine, dans les étapes de plaine, mais ici les données ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. On a affaire à un coureur qui est dans les 10 premiers du général, donc il finit le Tour en forme avec des réserves, et derrière il est pris en chasse par des coureurs fatigués qui ont déjà été lâchés et qui sont en train d'essayer de collaborer ensemble pour réduire cet écart. Mais finalement, le fait qu'Hamilton ait 5 minutes d'avance, eh bien, ça tourne à son avantage parce que c'est un coureur qui est motivé, qui a le moral parce qu'il sent la victoire d'étape qui est chaque fois plus proche. Et derrière, on sait de toute façon que les coureurs qui l'ont pris en chasse, mais ce sont des coureurs qui sont fatigués et qui auront beaucoup de peine à réduire cet écart. Donc je crois que la solution est que l'on va vivre, en tout cas le dénouement final, c'est peut-être de la part de la télécom essayer de réduire ou de stabiliser cet écart pour préserver la troisième place de Vinokourov, comme nous le disait si justement André Darrigade, que je salue d'ailleurs. Salut Laurent. bravo pour tout ce que tu fais. Et dans ce peloton maillot jaune, au bout de ce peloton, les maillots de champion d'Allemagne et de champion d'Australie. Les deux principaux protagonistes, Zabel ici, il est parti à droite et O'Grady, le voici maintenant en antépénultième position. Les deux sprinteurs qui ont réussi à s'immiscer dans le groupe maillot jaune pour marquer des points précieux au classement du maillot vert. Bien loin derrière Hamilton, 5 minutes et 8 secondes dernier écart effectivement stabilisé entre le coureur américain de la CSC. Et ce peloton mené par les coéquipiers de Vinokourov, Isabelle Guerini et Mario Hartz, l'Italien et le Belge. Thierry. Ouais, Juan Miguel Mercado qui vient d'être lâché, distancé en tout cas dans cette petite côte où on a failli assister à une chute en fin de peloton. Mercado qui tente de revenir là dans les voitures et on a failli assister à une chute là parce que la Taza, le coureur d'Akelme a touché, enfin Stuart O'Grady a fait un petit écart et il a touché l'arrière de la roue de Stuart O'Grady, la Taza, il a failli emmener Botero avec lui dans la chute et c'est un spectateur, il a touché un spectateur qu'il a réussi à le remettre sur la route, des fois c'est le contraire, et bien là c'est un peu le spectateur qui lui a sauvé la chute et après la Taza et Botero sont allés parler du pays en espagnol à Stuart O'Grady qui dans ces cas-là ne comprend que l'Australien, enfin que l'Anglais. Stuart O'Grady qui s'accroche en queue de classement, il a un petit peu plus mal qu'Eric Zabel. Là ça fait un peu montagne russe et je peux vous dire que c'est pas facile pour certains coureurs en queue de peloton. Et pour Botero et pour O'Grady effectivement qu'on aperçoit ici. Grand rival de Zabel pendant des années au classement du maillot vert qu'il n'a jamais réussi à ramener à Paris, lui qui a porté deux fois le maillot jaune sur le tour. Santiago Botero, lui il avait ramené le maillot à poids en l'an 2000. David Latassa de 503 qui était dans l'échappée des 10 avec Hamilton tout à l'heure ce matin vers le
le Soudet Bagargui. Irrémédiablement décramponné, mais il s'en sort pas si mal, puisque d'autres sont encore plus loin, comme David Millard. Mario Hartz fait le forcing en tête de peloton devant Guérini. Les coéquipiers d'Armstrong. Rubira en troisième position. Derrière Armstrong à gauche, Jan Ullrich. 5 minutes 12. Ah. Les coureurs sont aux alentours de la place. Il faut savoir que cet endroit était un passage, le passage d'une voie stratégique construite par Napoléon, et non seulement, bien sûr, ancienne étape sur la route de Compostelle. Et ancienne commanderie de Roncevaux également. À propos de passage, il y a des passages à niveau, hein, en fin d'étape à 7 km 500 de l'arrivée ici à Bayonne. C'est pour ça qu'on est parti un peu plus tôt ce matin. Tyler Hamilton, l'Américain, qui pourrait être basque, selon Bernard Chenez. Il serait peut-être allé chasser la, pêcher la morue au large de Terre-Neuve, hein, s'il était né ici il y a quelques dizaines ou centaines d'années. En tout cas, en ce moment, c'est la chasse à la victoire d'étape qui importe pour lui, et la chasse au podium du Tour de France. Et lui qui a réussi une belle série de places d'honneur dans ce tour du centenaire. Il était 7e à l'Alpe d'Huez, il était 10e à Gap, 5e dans le contre-la-montre de Cap Découverte, 10e à Aix-Trois-Domaines sur le plateau de Bonasque, et encore 7e à Luzardiden. Et à 32 ans, Hamilton, il est de la même année que Lance Armstrong, un petit peu plus âgé. Du mois de mars pour Tyler Hamilton, le mois de septembre pour Lance Armstrong. Voilà, nous venons de parler de ces petits villages, de la place, de Bonloc. Et ici c'est Bonloc, donc, avec son église du 19e. Nous sommes sur les rives de la Joyeuse. Là aussi, c'est une ancienne étape sur la route de Compostelle. Et nous allons arriver dans quelques kilomètres à Asparin. Il y a toujours cette allure de rouleur. Tyler Hamilton. En train d'avaler les derniers kilomètres. Ouais, dès que ça monte, il relève un petit peu plus la tête, mais parce que c'est plat, il reprend de nouveau une allure de rouleur, rouleur qu'il est d'ailleurs, hein, puisque c'est un excellent coureur de contre-la-montre. C'était révélé d'ailleurs sur le tour en 98, hein, dans le grand chrono de Corrèze, où il est fini deuxième derrière Ullrich. Et il a gagné un Dauphiné il y a 2-3 ans. En se comportant très bien et dans la montre devant Armstrong et contre la montre. Notre équipe désormais Quick Step se met aussi à la manœuvre. C'est vrai que Paolo Bettini s'est fort bien comporté dans le sprint massif durant la première semaine. Un coureur de Quick Step pour aider donc les télécoms. Thierry. Oui, avec Walter Godefroy pour lui demander un petit peu. L'équipe Télécom s'est pas fait un peu piéger, mais bon, l'écart commence à être grand avec ce diable de Tyler Hamilton. Oui, mais on croyait qu'on avait une chance avec Zabel, mais vraiment, comme Hamilton, il marche, je crois, il reste devant. Alors, vous pensez que maintenant, le plus important, c'est de réduire l'écart entre Vinokourov et Hamilton, puisque c'est un petit peu la place sur le podium qui se joue. Oui, mais aussi, la reste, il est pas seulement la troisième place pour Vinokourov, il est la quatrième, le cinquième ou aussi le sixième. Alors, je crois eux qu'ils doivent aussi un coup de main. Alors, vous avez demandé à Euskaltel de rouler avec vous, c'est ça? Mais il est déjà roulé, peut-être ils sont peu cuits. Et est-ce que vous pensez encore à la victoire d'étape pour Zabel, non? Non, je crois que c'est trop tard. Merci. Oui, c'est trop tard. Car ce Dossard 71, le petit américain Hamilton, il y a encore 5 minutes et 4 secondes d'avance sur le peloton, 4,56 dernier écart, 8 secondes de moins, ça ne changera pas la face de cette journée en tout cas. Hamilton parti dans le soudé d'abord pour rejoindre les échappés, puis seul depuis Bagargui qui avait failli oublier en cours de route ses compagnons d'échappée un peu plus tôt, dans le soudé déjà. Laurent nous l'avait fait remarquer, il ne s'était pas retourné, il avait pris 5 mètres sans s'en rendre compte. Et là il s'en rend compte et il
creuse les écarts, il les a creusés, il les maintient maintenant sur, sur ce groupe principal, groupe Armstrong. Il tient tête au coureur de la Télécom, au coureur de Quickstep, au coureur de Scaltel tout à l'heure. Nicolas de Paris, une question sur SMS 61-202, se demande bien sûr si le fait de passer de la canicule à ce temps humide marque les organismes. Laurent, vous aviez un peu répondu à ça déjà tout à l'heure, et évidemment que ça marque les organismes. Quand on a eu pendant 15 jours une température supérieure à 32, 33, 34, 35, parfois 38 degrés, et que d'un seul coup on se retrouve dans les frimas et dans les brumes des cols pyrénéens. Oui, ça change, effectivement, ça change de toute façon les sensations, mais j'allais dire, ça change en bien. Parce que ben, la chaleur, au fil des jours, affaiblit les coureurs. Ils perdent beaucoup d'énergie. Et quand un peu de fraîcheur revient dans la course, bien, ils respirent mieux. Il fait plus frais. On retrouve un petit peu de tonus. Et donc, ça change en mieux en ce qui les concerne, en tout cas pour l'instant. Mais c'est vrai que lorsqu'au sommet des cols, on a des températures qui soudain deviennent très froides. Ça n'a pas vraiment été le cas cette année sur le Tour, mais il y a eu quand même de l'humidité et du brouillard avec des températures de l'ordre de 12-13 degrés au sommet des cols. Eh bien, les branches souffrent parce qu'il y a des changements de température un peu brutaux. Et donc, les branches souffrent et c'est pour ça qu'on a quelques bronchites. Hein. En attendant, pour Hamilton, je pense qu'au niveau des branches, ça doit plutôt bien se passer, même si ça doit certainement brûler aussi, parce que là, il fait vraiment un gros effort. C'est un effort qui doit lui faire mal aux jambes en tout cas, hein, dans ces kilomètres finaux, alors qu'on a déjà tout donné, il est parti de loin, hein, il faut se souvenir, il a déjà fait un gros effort pour revenir sur les premiers dans le col du Soudé. Ensuite, avec son équipier Sorensen, il a fait l'essentiel du travail jusqu'au col de Bagargui. Depuis le Bagargui, il est tout seul, donc là il ne peut plus compter sur personne, il n'a pas le temps de récupérer. On sait qu'il faut continuer à foncer parce que toutes les secondes comptent évidemment. La victoire d'étape, à mon avis, elle est acquise, il le sait, mais il faut absolument qu'il préserve un avantage conséquent pour préserver des chances en le contre-la-montre, peut-être d'aller flirter avec le podium. En tout cas, à l'arrière, eh bien, confirmation de ce que nous disait Walter Godefroid, c'est une évidence, les coureurs sont cuits, ils n'arrivent pas à réduire un écart sur un homme seul, un homme qui est porté par la foule, qui est porté par son ambition, qui nous fait, une belle démonstration de courage, c'est un bel exemple de courage, en tout cas sur ce tour, ce que nous fait Tyler Hamilton. Tyler Hamilton passé sous la banderole des 25 derniers kilomètres, lui qui est parti échappé depuis plus de 140 kilomètres dans le col du Soudé, qui est seul depuis quelques... qui sera seul s'il va jusqu'au bout, et ce sera le cas selon toute vraisemblance, pendant plus de 95 kilomètres dans cette étape. Pardon, et le coureur de tête passe à proximité d'Asparin, chef-lieu de canton des Pyrénées-Atlantiques, dont les habitants s'appellent les Aspandards. C'est une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle aussi, une petite ville commerçante de l'arrière-pays basque, spécialisée dans le travail des étoffes, des peaux, et dans l'industrie de la chaussure aussi. Et il faut préciser que la famille des frères Éliard, qui ont découvert le tungstène au XVIIIe siècle, était originaire d'Asparin. Et puis que Francis James aussi, le poète, originaire des Hautes-Pyrénées, passa les dernières années de sa vie. Asparin. Gardez la main, Jean-Paul, pour répondre à Virginie de Toulon. Est-il déjà arrivé qu'une équipe entière ne finisse pas le tour ? On parlait tout à l'heure de la face à Bortolo, il n'était plus que 3 et plus que 3 depuis une semaine. Est-il donc déjà arrivé qu'une équipe ne puisse finir le Tour de France ? Oui, ça s'est passé à la fin des années 90. C'est l'équipe Quelmet qui n'avait pas terminé. Elle avait été décimée. Début des années 80. Au début des années 80, qui avait été décimée donc en cours de tour, l'équipe Quelmet. Oui, en 63. En 53, André Darrigade me fait signe. Effectivement, l'équipe du Sud. Allez-y, André. André, en 53. Racontez-nous. L'équipe dirigée par Paul Maille avec André Darrigade. Eh bien, nous avions terminé à deux, avec Claude Collette et moi-même. Et nous, on avait pour nous, pour Claude Collette et moi, on avait un mécano, un masseur, un directeur sportif. Et. Jacques Godet avait maintenu donc la voiture du directeur sportif jusqu'à l'arrivée au Parc des Princes. Et André Darrigade avait tout de même gagné une étape cette année-là. Il a gagné à Albi la première de ses 22 étapes. Disons 23 étapes parce qu'elle a gagné une étape contre la montre par équipe aussi. Alors on l'oublie celle-là. Et Greg LeMond lui-même avait remporté le Tour de France avec seulement deux coéquipiers. Hein. La Meurthe et Musset-Houx.
alors que Santiago Botero est revenu en tête de groupe, prêté main forte à Mario Hartz, devant une foule toujours nombreuse. À la fin de ce parcours, 16e étape du Tour de France. Voilà, Fekin-Jaila. La télécom a intérêt à ne pas mettre trop de coureurs devant et à les réserver pour bien emmener le sprint d'Eric Zabel. Roberto Laiseka, dont on attendait mieux sur ce tour. On attendait mieux aujourd'hui des Euskaltel. Bernard, vous le rappeliez tout à l'heure. Ils avaient annoncé qu'ils feraient tout pour s'imposer aujourd'hui, mais ils ont trouvé beaucoup plus fort qu'eux Tyler Hamilton dans cette étape pyrénéenne, avec de grosses difficultés placées loin de l'arrivée, le col du Soudet et la terrible rampe de Bagargui. C'est là, sur ces pentes, que Tyler Hamilton a pris son envol. Lui qui compte encore 4 minutes et 48 secondes d'avance, va s'offrir une victoire en solitaire avec une avance considérable et effectuer donc un superbe rapproché au pied du podium de ce Tour de France, juste derrière Armstrong, Ulrich et Vinokourov. Un long raid solitaire qui va aussi permettre à son équipe danoise CSC de conforter sa première place au classement par équipe. L'équipe Quick Step. Mince alors. Ouais, mais ils sont, je sais pas, ils sont assez mal partis, hein, cette équipe Euskaltel. Une grosse échappée, personne dedans, c'est toujours très, très mauvais signe. La Quick Step s'y met plus franchement, Bernard, hein, pour Bettini qu'on voit ici, avec Richard Véran très bien placé dans les premières positions, avec Michael Rogers, l'Australien, qui est revenu également. Deux autres équipiers encore à 25 km de l'arrivée. Dernier écart, 4,44. Ils sont optimistes chez Quick-Step. Ils pensent qu'ils vont rattraper Hamilton dans les 25 derniers kilomètres avec une avance de 4 minutes 40. Ça me paraît optimiste, mais bon, c'est bien. Ou alors, qu'est-ce qu'ils ont à défendre les Quick-Step? Il n'y a pas de classement par équipe. Ils ne sont pas placés au classement par équipe. Défendre le maillot du meilleur grimpeur, mais ça, c'est déjà fait. Hein. C'est pas maintenant qu'ils vont le défendre. Ça, il n'y a plus de boss. Ça va être bon. Et Viron qui est sûr de le gagner. Ouais, ils sont à 2h24 au classement par équipe. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pour Paolo Bettini, sûrement. Daniele Nardello, le 227, ici en dernière position du groupe. Juan Antonio Flecha était juste devant lui, à 20 km de l'arrivée, Tyler Hamilton. Hamilton, toujours aussi impressionnant, Laurent. Oui, ouais, avec les avant-bras reposés sur le haut du guidon, hein, un petit peu dans la position de recherche de vitesse, la même position que l'on adopte sur un vélo de contre-la-montre. La seule différence, c'est qu'il ne peut pas tirer parce qu'il n'a pas d'appui. Hein. C'était autorisé il y a quelques années, ça a été retiré parce que c'était jugé trop dangereux. C'est vrai que dans le peloton, lorsqu'il y avait ces appendices sur le guidon, bien, les coureurs, quelquefois, avaient tendance à remonter le peloton en s'accrochant à ces petits appendices. Et puis, ils n'avaient pas le temps suffisant en cas de chute pour amener les mains au frein et freiner à temps, et donc on avait constaté qu'il y avait beaucoup de chutes et ça a été très justement retiré. Ben Hamilton, lui, utilise cette position là, il ne risque pas grand chose, la route est large et il est en recherche de vitesse alors que le vent est légèrement défavorable maintenant. Il a été quand même assez favorable pendant longtemps et malgré ce vent défavorable, il roule à 55 km/h, donc vous voyez, c'est une vitesse assez élevée encore, impressionnante en tout cas pour un homme qui est seul depuis de nombreux kilomètres. Et en fin de tour, donc Hamilton, chapeau monsieur Hamilton, c'est un beau numéro que vous nous faites aujourd'hui. 4 minutes 39, le dernier écart en faveur donc de Tyler Hamilton, échappé depuis le col du Soudet, seul depuis le col de Bagargui. On raide dans la dernière étape des Pyrénées, Thierry.
petite comparaison pour vous donner une petite idée de la différence entre un groupe qui chasse derrière et Tyler Hamilton, Laurent vient de dire 55 km/h, et nous avec le peloton nous sommes à 64-65 km/h, un peloton d'une... Ah oui, si Laurent ça monte, me dit-il dans le casque, effectivement, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait au même endroit, mais bon, ça doit être à peu près l'écart qui existe entre de vitesse entre les deux. Et nous, le peloton très très étiré, il reste 60 coureurs hein, dans ce peloton, on a quand même perdu beaucoup d'unités, presque la moitié, et donc on roule vraiment à vive allure, mais ça ne sera sans doute pas suffisant pour revenir. Pour tout savoir sur le tour, si vous n'êtes pas devant la télé, le 32-45 ou notre site internet france2.fr, le coup de cœur de Bernard, l'analyse de Laurent, tous les classements, tous les résultats sur ce Tour de France s'achèvera donc dimanche sur les Champs-Élysées. Il y aura une superbe parade organisée après l'arrivée, environ une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure après l'arrivée. Parade que vous pourrez vivre sur France 2, dans Stade 2, où seront fêtés tous les anciens vainqueurs du Tour. Dont Bernard Thévenet qui troquera pendant quelques minutes son casque pour une rutilante limousine pour descendre les Champs-Élysées dans la série des années 70 avec Eddie Merckx notamment. Je sais pas où ils ont mis Bernard Hinault dans les années 70, non, années 80. Il s'est coupé en deux. Ils ont coupé en deux années 80. Années 70, il doit y avoir Merckx et Van Nimp. Le dernier belge. Et vainqueur du Tour de France, c'était en 1976. Le dernier Français vainqueur du Tour, c'était bien sûr Bernard Hinault. Il a déjà 23 ans. Non, oui, qu'est-ce que je raconte, 1985. Le dernier, ça 1985, fait 18 ans. Ouais, j'espère qu'on n'attendra pas 23. Et juste majeur. Richard Viron qui se mêle à la lutte et à la poursuite pour réduire l'écart, 4.32. Lui, il a réussi son tour, le maillot à poids, il le voulait, il l'aura. Il voulait gagner une étape, il l'a fait. Il a en prime porté le maillot jaune, 24 heures, après son superbe succès à Morzine. 24 heures pour monter l'Alpe d'Huez comme un symbole, avant qu'à l'Alpe d'Huez, justement, Lance Armstrong, qui avait pourtant été violemment attaqué ce jour-là, par Maillot, attaqué aussi par Bellocchi, attaqué par Hamilton déjà. Hamilton qui surprenait déjà tout son monde, 20 km de l'arrivée, après la chute. Hamilton, s'il va jusqu'au bout, et c'est quasiment fait, hein, il aura parcouru 142 km 500 échappés, donc quelques 95 en solitaire. Laurent. Oui, Hamilton, vous le disiez, qui est tombé à mot à l'arrivée de la première étape et que j'avais été voir le lendemain matin dans le bus de son équipe, CSC Tiscali, alors qu'on l'annonçait déjà non partant. Et bien lui, avec un strap à la clavicule, avec des bandes pour lui maintenir les muscles et éviter que ça tire de trop, m'a dit avec le regard abattu, écoute, moi j'ai fait trop d'efforts, j'ai trop souffert pour me préparer pour ce Tour de France, je suis en forme au niveau des jambes, je le sens, et j'ai envie de continuer, il faut que je m'en rende compte si j'en suis capable, s'il faut dans 2 km je vais abandonner, mais je veux partir. Et bien aujourd'hui je pense qu'il doit se rappeler de tous ces moments difficiles, il ne faut pas qu'on les oublie nous non plus, hein. C'est un coureur qui est au bord de l'abandon, qui a souffert depuis le départ du Tour, qui a certainement eu beaucoup de difficultés à dormir, on sait que c'est difficile pour tous, mais ça a dû l'être encore davantage pour lui. Toutes les vibrations de la route dans une clavicule cassée, croyez-moi, ça fait très très mal. Et aujourd'hui, il est en train de décrocher la victoire d'étape, et c'est lui qui nous a animé cette étape, c'est lui qui a attaqué, c'est lui qui a été à l'offensive toute la journée, qui a pris des risques, et qui mérite mille fois de gagner une étape comme cela, et en plus, il nous la gagne avec la manière, donc... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour ce garçon qui est d'une extrême gentillesse et qui fait preuve d'un courage bien au-dessus de la moyenne. C'est vrai qu'il y avait eu une réunion de toute la formation CSC le dimanche soir de Meaux, premier dimanche du Tour, où Carlos Sastre avait été désigné comme leader parce que personne n'imaginait vraiment que Tyler Hamilton puisse continuer. Et dans un premier temps, il s'était dit « je vais essayer jusqu'au contre-la-montre par équipe, puis je vais voir dans la première étape de montagne ». Et ainsi de suite, et à force de courage, il a résisté, il s'est retapé, puisque comme le disait Laurent, ses jambes étaient excellentes.
et il va s'imposer dans quelques minutes dans la 16e étape du Tour de France. Ça fera une nouvelle victoire américaine après Armstrong à Luzardiden, après l'US Postal qui avait gagné le contre-la-montre par équipe entre Joinville et Saint-Dizier. Il n'y a pas tant d'Américains qui ont remporté des étapes sur le Tour de France. Évidemment, avec Armstrong, on est habitué maintenant, avec Lemon. Andy Amstein avait gagné aussi à l'Alpe d'Huez il y a quelques années. Oui, le petit lapin. Combien Lemon avait remporté d'étapes? Peut-être pas tant que ça, hein, Jean-Paul. Ça s'est remporté beaucoup d'étapes. Non. Demi-douzaine. Contre la montre, oui. À peu près, oui. Mais étape en ligne, pas beaucoup, je pense pas. Non. Télécom, Quickstep, l'alliance en tête de peloton avec Richard Virenque dans son maillot à poids du meilleur grimpeur, juste derrière Giuseppe Guerini. Alexandre Vinokourov est ici aussi. Et Mario Hartz et les postiers dans le Samstrong regardent tout ça avec intérêt et satisfaction. Ouais, ils sont dans une bonne position. Ils n'ont pas à rouler, n'ont pas à faire d'efforts. Et ils ont eu la chance hein, qu'il n'y ait pas eu de coureurs de Scaltel devant, qui ont été les premiers à lancer la poursuite. Et puis après, le fait que Hamilton vienne menacer la troisième place de Vinokourov, le fait aussi que Zabel ait bien réussi son étape et donné pendant un moment peut-être qu'ils aient entrevu l'espoir de pouvoir remporter l'étape par l'intermédiaire d'Eric Zabel. Bien, tout ça fait que l'équipe US Postal n'a pas à travailler derrière Hamilton. Thierry. Oui, on va aller voir Serge Parsani pour lui demander mais que font vos coureurs devant? Ouais, on roule, mais en tout cas Hamilton il a fait un grand numéro. Et, bon, il est parti dès le début du premier col, il va jusqu'à l'arrivée. Et chapeau, c'est vraiment une action d'un grand champion. Bon, nous on avait Bettini, avec une arrivée comme ça, on voulait chercher de faire l'arrivée avec lui. Même si dans le peloton il y a Zabel, il y a O'Grady qui sont rapides aussi. Mais bon, je pense qu'on va voir l'exploit de Hamilton aujourd'hui à Bayonne. Donc vous allez arrêter de rouler? Bon, arrêter pas complètement parce que bon, on va rouler quand même jusqu'au bout. Mais il a perdu même pas une minute en 25 km. Ça veut dire qu'il est en train de rouler encore très fort. Ouais, mais en fait vous n'avez pas l'intérêt de rouler vous quand même. Bon, l'intérêt, bon, on va voir. Dans le sprint, on a Paolini qui est bien placé aussi dans le maillot à poids. Bon, s'il arrive à faire une bonne place, il peut marquer encore des points, on va voir. Merci Serge. Tyler Hamilton lancé dans son raid de grande envergure qui va le mener à la victoire d'étape et au pied des marches du podium, derrière Armstrong, Ulrich, Vinokourov. On parlait des Américains vainqueurs d'étape sur le Tour. Il y avait aussi Pierce qui s'était imposé sur les Champs-Élysées à Paris en 87. 4 minutes 10, dernier écart. Il y aura les 12 secondes de bonification glanées en cours de route dans les deux sprints intermédiaires et les 20 secondes dévolues aux vainqueurs de l'étape qui viendront aussi dans l'escarcelle de Tyler Hamilton qui va évidemment avoir un nouvel objectif pour samedi. Remonter son handicap sur Alexandre Vinokourov lors de l'ultime contre-la-montre. Sacré numéro de Hamilton, un ancien étudiant en médecine qui avait appris le ski très très vite. Il est devenu champion universitaire de descente. Qui avait gravement chuté en mountain bike avec deux vertèbres cervicales fracturées. Et déjà, ça l'avait empêché de continuer le ski de compétition, la descente. Et il était donc passé au vélo qui, comme très souvent, servait évidemment d'entraînement aux skieurs. Son premier Tour de France, c'était en 1997. Il habitait alors à Nice où il s'entraînait souvent avec Armstrong. Et maintenant, ils habitent toujours dans le même immeuble. C'est plus à Nice, c'est plus en France, c'est en Espagne. Et Bjarne Riis qui encourage son coureur. L'équipe CSC qui a failli être complètement démontée, démolie dès la première étape et bien qui finalement va faire un très bon Tour de France. Bah oui, parce que trois victoires d'étape
en dehors des Fassa Bortolo qui ont gagné 4 fois avec le même homme. C'est pas arrivé, hein. Il y a 2 victoires pour l'US Postal avec Armstrong et le contre-la-montre par équipe. Et eux, eh bien, après les succès de Jakob Pil, de Carlos Sastre, l'équipe CSC de Biarritz ont gagné une 3e fois grâce à Tyler Hamilton. Il aura fait combien 130 bornes d'échappée, 130 km d'échappée, dont 95 en solitaire. S'il va jusqu'au bout, ça fera 142. Échappée et quelque chose comme 95 en solitaire. Sans jamais, jamais, jamais se désunir, Laurent, en plus. Non, non, non. Et là, il se bat toujours. Hein. Il se bat avec beaucoup d'ardeur jusqu'au bout, hein, alors qu'il aperçoit la banderole des 10 derniers kilomètres. Et c'est vrai qu'on regrette un petit peu, j'allais dire, l'attitude des Quick-Step. Bien sûr, chacun fait sa course, mais on a du mal à comprendre leur motivation. La victoire d'étape, c'est fini. La deuxième place, ça n'a pas de grand intérêt. En tout cas, réduire l'écart, c'est un petit peu dommage parce que ça, c'est venir prêter main forte, surtout aux équipes Scaltel et Télécom, qui sont un petit peu dans l'embarras en ce moment. Donc c'est un petit peu dommage contre un garçon qui fait un gros numéro aujourd'hui, de se voir comme ça pris en chasse par une équipe qui n'a pas grand-chose à voir dans cette guerre-là. Mais bon, c'est la course. Oui. Bouche ouverte, Tyler Hamilton, dont on loue le courage exceptionnel. Lui, on le disait, qui avait déjà chuté en 2002 dans la 5e étape du Tour d'Italie, qui était pourtant allé jusqu'au bout, qui avait tellement serré les dents, c'est absolument dingue, tellement serré les dents pendant le Tour d'Italie, qu'il avait eu 11 dents abîmées, qu'il avait dû se faire refaire à la fin de la saison. Et tout ça parce qu'il était tellement crispé qu'il fermait la bouche le plus fort possible, serrant ses mâchoires pour résister à la douleur. Mais donc l'an passé, il avait déjà fait 16 étapes du Giro avec une épaule fracturée, ben, il a recommencé dans le Tour de France. Alors évidemment, s'il y avait eu des placements, ça aurait été impossible, hein. Il y a eu polémique à un moment là-dessus. Ils ne l'ont pas très bien vécu. On a entendu plusieurs fois Nicolas Jalabert s'exprimer là-dessus. Biarritz montrait le trait de fracture, les radios deux fois. C'est un coureur qui est capable de souffrir comme bien peu d'êtres humains. Il a vraiment connu le 11 dents. Hein. Le peloton doit être à proximité derrière lui de Briscousse. Je voulais vous dire un mot de Briscousse puisque les salines de cette localité alimentaient en eau salée les thermes de Biarritz et on en extrayait 20 000 tonnes par an de sel gemme et 17 000 de soude. Et donc le peloton doit être sur les rives de l'Ardanavie et Hamilton doit arriver sur les rives de l'Adour, ça s'embaillonne. Le peloton qui va longer l'Adour d'ailleurs tout à l'heure dans la ville. Passant juste à côté du pont Saint-Esprit. Que l'équipe Télécom, elle, ne fait pas semblant. Hein, même si elle sait très bien qu'elle ne rattrapera pas Hamilton et que maintenant, elle a réduit suffisamment l'écart pour qu'Hamilton ne pose plus de vrais problèmes à Vinokourov. Eh bien, elle va absolument viser la seconde place de cette étape oui, à propos pour de les 17 place. Points. Bernard, ils sont là, regardez. Isabelle, dans sa roue, au gradi. En général, ils sont toujours dans le même petit carré. Hein. Oui, ils étaient dans le même carré en queue de peloton tout à l'heure, quand ils sont revenus à bout de souffle. Puis maintenant, évidemment, sur un terrain bien plus à leur convenance, et sachant qu'ils vont effectuer un rapproché peut-être pour eux inespéré, aujourd'hui en tout cas, sur Baden-Cook, Robbie McEwen, qui est devant ce classement du maillot vert, ainsi que Tourussov, qui est dans la troisième position. Ça va être serré, serré, serré pour le maillot vert. Hamilton, visage grimaçant dans les derniers kilomètres de cette étape vers Bayonne. Avec le soleil revenu, après la brume et les frimas. Des cols des Pyrénées-Atlantiques, Soudet, Larro, Bagargui. 3,50, dernier écart à moins de 8 km de l'arrivée. L'écart maximal, son avance maximum était de 5 minutes 20. Il a incroyablement bien résisté, seul. Et il ne cède un peu de temps qu'en toute fin d'étape avec la Télécom qui s'est mise en ombre, aidée par la Quick-Step d'Avitamon.
Hartz, Kessler, Guérini, Botero qui emmène Eric Zabel. Donc le Quick Step s'est retiré des débats. Sont revenus. Reste 10 km pour le peloton. Et l'écart de 3 minutes 45 selon Yvon Moulin. Et c'est donc vrai alors. C'est donc vrai, voilà, exactement. C'est donc vrai. C'est donc bien 3,45. Ah, pour les bonifications entre Armstrong et Ullrich, on l'avait envisagé en début d'étape. L'Allemand avait dit qu'il essayait de grappiller du temps absolument partout. Là, non. Ça va être c'est un peu dur. C'est Maison qui va s'en occuper. Entre Zabel, O'Grady, Bettini, Paolini. Ça va faire beaucoup de monde alors que dans le team Bianchi. Je sais pas, non, je pense pas qu'ils aient de sprinter ici, hein, le team Bianchi, l'équipe de Jan Ullrich. On va couper à la corde. Milton. Elle a énormément souffert dans ce Tour de France, mais là, ça va vraiment être une récompense pour lui. Et il s'emploie jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout pour sauver un maximum de son avance qui est encore consistante. 3 minutes 39 secondes dans la roue du champion américain qui n'est pas Lance Armstrong aujourd'hui, mais bien Tyler Hamilton qui va s'imposer, remporter une formidable victoire d'étape, Laurent. Oui, il continue à relancer. C'est vrai, il faut dire une chose aussi. Il y a un élément qui joue contre lui, c'est le vent. Dans cette fin d'étape, le vent est de face, il souffle assez fort. Et là, Tyler Hamilton, sur cette partie de route assez large, où il n'y a pas beaucoup d'abri, en fait, il n'y en a pas du tout, même il a un fort vent contraire, eh bien il souffre. Il essaie, on le voit, balayer la route, aller à droite, à gauche. C'est un vent qui tourbillonne, qui est de face et qui le pénalise fortement. Et je pense qu'il en a très certainement plein les jambes. Tyler, il a les jambes qui brûlent, c'est certain. Il est porté, bien sûr, par la joie de gagner. Il a aussi besoin de continuer son effort jusqu'au bout parce que chaque seconde compte, on le sait, pour un coureur qui fait le général, alors qu'il nettoie sa roue arrière d'un petit coup de main. Et puis c'est difficile parce qu'on aurait envie, dans ces cas-là, quand ça brûle, qu'on a mal partout, de se relever et de prendre un petit peu de bon temps, alors qu'il a largement le temps de le faire et de pouvoir savourer sa victoire. Eh bien non, il est quand même aussi très intéressé par le temps à l'arrivée. Le classement général est important pour lui, donc il continue à se battre, il se fait violence, c'est un dur au mal, c'est vrai, on le sait, on l'a dit, et il continue de le faire dans une partie qui le défavorise pas mal avec un gros vent de face. Dernier écart, 3 minutes 30 en faveur d'Hamilton. Il ne dépassera pas sans doute Zubeldia et Maillot aujourd'hui, encore que attention, avec les bonifications. Voilà, ça va lui faire 32 secondes de bonification, hein, les 20 de l'arrivée plus les 12 qu'il a prises en route. Alors qu'il est en bordure de l'Adour. Bayonne est à l'embouchure de l'Adour. Sur les rives de l'Adour, une information que me transmet Olivier Hull, prolongement de Christophe Moreau au Crédit Agricole qui vient de signer pour 2 années supplémentaires. L'information française. Christophe Moreau, premier français au classement général de ce Tour de France, il est 8e. Juste derrière Hamilton ce matin. On parlait tout à l'heure de l'interférence des classements ou des places, c'est bien. Là, malheureusement, je pense que. Enfin, malheureusement, pour Hamilton, du moins. La chasse menée par les télécoms va le priver de pouvoir dépasser Maillot et Zubeldia au classement général. S'il n'y avait eu que les Euskaltel qui sont eux directement intéressés pour défendre les places, il n'y avait eu que pour rouler, c'était peut-être jouable pour Hamilton. Mais bon, voilà, malheureusement pour lui, les télécoms ont mis en route. C'est-à-dire qu'ils ont lancé le peloton et maintenant ils ne veulent pas ralentir parce qu'ils vont s'exposer à des contres. Et eux, ce qui les intéresse, c'est les points de la deuxième place de l'étape pour Eric Zabel. Euskaltel et la Légion de face à Bortolo, ça ne suffisait pas, Bernard. Non, les deux ensemble, c'est une petite Légion. Ça faisait deux pour la face à Bortolo. Fallait même non, pas j'exagère, il y a eu deux coureurs d'Euskaltel qui menaient. Un décurion pour les commander était de trop.
Alexandre Vinokourov bien placé ici, juste devant son sprinter, le champion d'Allemagne Eric Zabel, en première position du groupe Mario Hartz. Un sprint qui va être disputé pour la deuxième place. Des points qui compteront cher pour le classement du maillot vert. Un classement qui intéresse aussi, semble-t-il, Bettini, qui est pourtant loin. Il est 14e au classement du maillot vert, Paolo Bettini, lui qui avait fait de très belles places durant la première semaine. Tyler Hamilton en train de finir, non pas son tour d'honneur, mais les derniers kilomètres de cette étape qu'il a marqué de toute son empreinte. Par-delà Soudet, Laro, Bagargui, à 3 km de l'arrivée pour l'homme du Massachusetts. Bayonne est là-bas, tout au bout. On verra le pont Saint-Esprit. On tournera à gauche, on passera devant l'hôtel de ville. Et puis il n'aura plus qu'à lever les bras. Ah, c'est long cette fin d'étape, hein, surtout si il a le vent de face. C'est très long et c'est qu'il perd un petit peu de terrain. Une grande saison pour le coureur américain, vainqueur donc de la doyenne Liège-Bastogne-Liège. Premier américain vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, c'était au printemps, malgré les tentatives d'Armstrong, qui n'avait pas pu s'imposer ce jour-là. Vainqueur devant Iban Maillot. Mais c'est vrai qu'on retrouve, dernier écart 3-0-4, c'est vrai qu'on retrouve souvent dans Liège-Bastogne-Liège les hommes du mois de juillet. Ouais, c'est une course dont le profil... 75, ça avait été inversé, hein, premier et deuxième, Liège-Bastogne-Liège, Tour de France. Oui, oui. C'est bien oui. Ça, Bernard. C'était les deux mêmes, mais... Dans un ordre inverse. Dans un ordre inverse. Bon, vous ne changeriez pas, Bernard. Hein. Non. Deuxième, non, non, boulevard de la Sauvenière, et premier aux Champs-Élysées. Pour prendre sa revanche, c'est pas mal. Derrière Eddy Merckx au mois d'avril, devant Eddy Merckx au mois de juillet. 3-0-1 pour Tyler Hamilton. Il va remporter cette 16e étape du Tour, la dernière étape de montagne du Tour de France 2003. Entre Pau et Bayonne, il va bientôt entrer dans la ville. Et n'oublions pas que Bayonne est la ville natale d'un ancien vainqueur du Tour, c'est Roger Lapébi en 37. Il est dans Bayonne, Tyler Hamilton, avec toujours 5 hommes de la télécom devant, plus le maillot de champion d'Allemagne d'Eric Zabel, peloton qui se scinde en deux de part et d'autre de ce rond-point. Oula, mais ils font une petite erreur, les télécoms, là, non ? On a l'impression qu'ils ont ralenti. Ils vont s'exposer à des contres. Plus que 2 km pour Hamilton. Il ira chercher la toute première victoire de sa carrière sur les routes du Tour de France. Lui qui a donc dominé Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Romandie cette année. Ancien vainqueur du Critérium du Dauphiné. Ancien champion de descente. Dont l'aventure avait été brisée par une grave chute. Il s'est alors consacré au vélo et ça a tout de suite marché. Les bords de la Dour, le pont Saint-Esprit là-bas. Il va virer à gauche, il ne restera plus qu'un tout petit peu plus d'un kilomètre. Encouragé jusqu'au bout par Björn Riis, son directeur sportif. Et Victor Hugo avait écrit que Bayonne était un lieu vermeil et souriant, c'est pas Hamilton qui nous dira le contraire. Je pense qu'effectivement vermeil. Enfin, il s'est fait mal aux jambes hein, pour trouver cet endroit... vermeil ou merveilleux, je ne sais pas pour lui, mais... Hamilton qui discute là avec Björn Riis, sans doute, son directeur sportif, dans son oreillette. La flamme rouge est là-bas. Passe devant le théâtre. Jakob Pihl avait gagné à Marseille. Carlos Sastre a lui aussi remporté son étape. Et c'est Tyler Hamilton qui va offrir à sa formation danoise un troisième succès dans ce Tour de France, confortant la première place au classement par équipe de CSC. Même s'il faut compter 3 coureurs, mais il a dans le peloton Armstrong derrière des coéquipiers. La dernière ligne droite et bientôt la victoire d'étape pour Hamilton, rapproché au classement général. Long raid, plus de 145 km, 142 précisément. Devant, dont 95 en solitaire, l'homme fort de cette dernière étape de montagne. Il voulait se rapprocher du podium, il va le faire, même s'il ne gagnera peut-être qu'une seule place aujourd'hui. Donc, il remercie Björn Riis, son directeur sportif, lui qui n'imaginait pas sans doute il y a 2 semaines et demie remporter une étape après la chute de Meaux, où il se voyait déjà perdu pour le Tour.
on imaginait qu'il allait abandonner. Il a résisté jusqu'au bout et aujourd'hui il va s'imposer après une très longue chevauchée. Il va triompher à Bayonne. Tyler Hamilton, deux victoires américaines au cours des deux dernières étapes du Tour. Armstrong à Luzardiden pour l'US Postal Berryflor et pour CSC. Ce Tyler Hamilton qui va sourire de toutes ses dents, continue à pédaler le plus vite possible, acclamé par la foule bayonnaise. Et il va remporter cette étape ici, 16e étape du Tour. Tyler Hamilton dans les derniers mètres. Voilà, il sort à l'arrêt, il applaudit, il remercie, les points levés. Hamilton vainqueur, grand vainqueur de cette 16e étape du Tour dans les Pyrénées. Il a l'air de ne même pas y croire, Tyler Hamilton, qui va conserver une belle partie de son avance. Il a tenu à remercier Riis, son directeur sportif. Il tape du poing sur son guidon et il applaudit. Il remercie Hamilton, vainqueur à Bayonne de la dernière étape de montagne du Tour de France 2003, du Tour du Centenaire. Et nous allons avoir un vrai sprint pour la deuxième place qui intéresse naturellement Eric Zabel, le champion d'Allemagne, qui intéresse tout autant Stuart O'Grady, le champion d'Australie. Ils sont 4e pour l'Allemand, 5e pour l'Australien au classement du maillot vert, à 30 points de Cook pour Zabel, à 34 points pour O'Grady, et ils ont l'occasion de se rapprocher puisque ni Cook, ni McEwen, ni Usov, qui s'occupent les trois premières places de ce classement, ne sont ici dans le groupe. Ils ont quelques adversaires, alors que Vinokourov fait le boulot. Vinokourov fait le boulot pour Eric Zabel. C'est lui qui lançait ses sprints. Oui, Vinokourov, c'est le dernier coureur de la Télécom. Télécom a peut-être fait une erreur. Ils auraient dû garder au moins un ou deux coureurs. Là, ils ont beaucoup réduit l'écart par rapport à Hamilton. Mais ce qui était important, c'était de garder quelques hommes assez frais pour pouvoir emmener le sprint à Eric Zabel. Tatschneg en met maintenant avec Marcus Berg juste derrière, avec Eric Zabel, avec O'Grady et Bettini un peu plus loin. Franconi est bien placé aussi. Il va se faire enfermer, Zabel. Tatschneg en mène toujours. O'Grady, il est complètement enfermé. Il y a Andy Flickinger qui est encore là. Le sprint pour la deuxième place. Avec une arrivée qui est quand même en montée, hein, c'était aussi à signaler, une arrivée en montée. Et Zabel va-t-il essayer de passer au milieu, Eric Zabel, pour aller marquer des points. Zabel, le champion d'Allemagne au centre, qui va porter la deuxième place, oui. Et il va reprendre, faire une belle opération. Yuri Kristoff était là aussi. Eric Zabel deuxième, alors que O'Grady doit être sixième ou septième, simplement. Belle opération pour Eric Zabel. Deuxième place, ça lui vaut 17 points. Ça fait 143 points. Il va revenir au classement du maillot vert à 13 points seulement de Baden-Cook. C'est-à-dire en troisième position derrière Cook et McEwen. Belle opération de Zabel ici à Bayonne. Bayonne avec sa cathédrale Sainte-Marie. Hamilton vainqueur d'étape. Zabel deuxième sur la ligne d'arrivée, et bien sûr Lance Armstrong toujours maillot jaune, puisque pour les trois premiers du classement général, rien n'a changé. Oui, la cathédrale Sainte-Marie, Christian, gothique avec son chœur et son abside du 13e. Alors on voit Tyler Hamilton au bout de son raid, au bout de ses rêves aujourd'hui, lui qui avait failli abandonner il y a un peu plus de deux semaines après la chute de Meaux, le premier dimanche du Tour, la première étape du Tour de France entre Saint-Denis, Montgeron et Meaux. Une chute collective qui avait jeté à terre de très très nombreux coureurs dans le sillage de José Enrique Gutiérrez. Il s'en était tiré avec une fracture de la clavicule, sans déplacement. Il n'a pas abandonné. Aujourd'hui, il remporte l'étape et peut encore rêver d'une place sur le podium, en tout cas sans doute d'une place dans les cinq premiers. Courageux Tyler Hamilton, alors que Lance Armstrong n'a pas été inquiété une seule seconde aujourd'hui, que le duel Armstrong-Ulrich eh bien, se concentre désormais sur le dernier rendez-vous entre Pornic et Nantes sur 49 km samedi. Demain et après-demain, nous remonterons cap au nord, à traverser les Landes, Dax à Bordeaux d'abord, puis jusqu'à Saint-Mexant-l'École. La poignée de main de Bjarne Riis et Tyler Hamilton, vainqueur pour la toute première fois d'une étape sur les routes du Tour de France. Alors que Claude Aymar à l'arrivée est avec l'un de ces Français qui ont fait beaucoup de kilomètres devant aujourd'hui, Ludovic Turpin.
Et oui, avec Ludovic Turpin qui a fait, j'ai compté plus de 110 km, ou environ aux alentours de 110 km devant. Vous étiez dans la bonne échappée et ensuite vous n'avez pas pu suivre Tyler Hamilton. Non, il était trop fort. Et bon, c'est quand même un champion, donc bon, il est parti à son rythme et personne n'a pu le suivre. Là, je crois qu'il a fait un gros numéro parce que dans le final, ça roulait vraiment très vite. Et je lui tire mon chapeau parce qu'il a fait un numéro. En tout cas, content de votre étape aujourd'hui, Ludovic. Ouais, bon, à chaque fois que je suis devant, ça va jamais au bout. C'est un peu décevant, mais bon, bah, j'étais bien motivé ce matin pour essayer de prendre la bonne échappée et faire quelque chose. Et ça a presque réussi. Bon, bah, il reste encore deux étapes où on peut encore se montrer, donc on va faire le maximum. Vous aviez pas mal de supporters, on a vu sur le bord de la route, il y avait des Ludovic Turpin, vous les avez vus? Ouais, je suis un peu surpris parce que je suis pas trop connu dans la région, mais bon, en amateur j'ai gagné souvent ici, mais peut-être que c'est dû à ça, je sais pas. Ça fait toujours plaisir en tout cas, merci Ludovic. Ludovic Turpin avec Claude Aymard, et on revoit le sprint pour la deuxième place avec Eric Zabel, donc qui a sprinté jusqu'au bout sur ce faux plat montant ici à Bayonne pour aller chercher les 17 points de la deuxième place. Il a résisté au retour de Yuri Kryftov, l'Ukrainien de l'équipe Jean Delatour. Il prend la troisième place, 1, 2, 3. Et je pense que Grady n'est que 7e ou 8e. Les arènes. Et même 10e. Tyler Hamilton donc, qui conserve une 55 d'avance sur Zabel. Yuri Kryftov, l'Ukrainien, est troisième. Luca Paolini, Greg Glomzer, Bram de Grot, Marcus Berg. Sandy Kazar a fait le sprint et il est huitième. Lui qu'on avait beaucoup vu en début d'étape, qui était dans le groupe des 10, dont faisait partie Hamilton, sur les pentes du Soudet de Bagargi. La 10e place, ça ne fait que 6 points au classement du maillot vert. Pour Stuart O'Grady, 132 points, il se rapproche lui aussi tout de même. Hein. Il n'est plus qu'à 24 points de Baden-Cook. Et un retour sur quelques-unes des images de cette étape et le long raid donc de Tyler Hamilton dans la montée de Bagargi, puis dans les descentes. Le voici dans son camper, dans son camping-car. La porte se ferme, elle se rouvrira tout à l'heure, n'en doutons pas. Au-dessus de l'Adour. À Bayonne. Alors que Nicolas Portal a pris la 14e place de l'étape, Andy Flickinger 12e, on remonte, Mangin la 11e, Bjarne Riis, Tyler Hamilton, l'accolade du directeur sportif et de son leader, vainqueur de la 16e étape du Tour à Bayonne. Bayonne dont le maire est Jean Grenet, et le fils de Jean Grenet, c'est François Grenet, le footballeur, qui évolue à Rennes désormais. Hamilton est son grand numéro, Bernard, dans les derniers cols des Pyrénées aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un numéro. Déjà, lorsqu'il est sorti dans le col du Soudet, personne n'a pu le suivre. Il a été attendu par son équipier Sorensen. Et puis, il s'est très vite rendu compte que ses adversaires, ou ses accompagnateurs plutôt au début, ses accompagnateurs du jour n'étaient pas assez forts. Donc, il n'a pas hésité à partir de très très loin. Il est parti à un moment où ça a monté très fort, c'était normal, mais après il restait près de 70 km avant l'arrivée. Et il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Tyler Hamilton, vainqueur d'étape donc, qui est aux côtés de Jean-René. Oui, effectivement, il est à mes côtés, mais il est surtout aux côtés de sa compagne qui vient de venir le féliciter, de l'embrasser. Et dans quelques instants, nous allons bien sûr avoir les réactions, les commentaires de Tyler, qui est resté pendant quelques minutes dans la caravane réservée aux vainqueurs d'étape. Voilà Lance Armstrong qui vient à côté pour le féliciter. Une très très belle image, regardez, voilà. Lance qui vient le féliciter, on sait que les deux hommes étaient bien sûr dans la même équipe, ils ont beaucoup de souvenirs en commun, notamment un célèbre Dauphiné Libéré où ils avaient fait 1 et 2. Alors Tyler, fantastique journée pour vous. I speak in English. Yeah. It's a fantastic day for you. Yes, it was incredible. It was incredibly difficult. You know, the start of the day was for me hard. I didn't feel so good at the beginning, and I owe a lot of credit to my team because at the beginning there was a
the peloton split and I was in the second group and my team dropped back five, got five riders to come get me and bring me back to the front. So without their help, I wouldn't have this victory. So I dedicate this victory to my teammates. Oui, ça a vraiment été une journée extraordinaire pour moi et c'était très très difficile tout au long de la journée parce que partir aussitôt et tenir jusqu'au bout, c'était vraiment pas une chose aidée. Et je dois vraiment remercier mon équipe parce que quand le peloton éclatait au début, moi je me trouvais dans un deuxième groupe. Et cinq coéquipiers m'ont attendu pour me ramener sur la première partie, donc c'est vraiment à eux que je dédie cette victoire. Alors quand il y a eu la chute de Mo et cette fracture au niveau de la clavicule, on a craint votre abandon. Aujourd'hui vous êtes dans les 10 premiers du général et vainqueur d'étape. So when you crashed in the first stage and you broke your collarbone, everybody thought you would give up the race and now you are winning a stage and in the very first positions in the overall ranking. Yeah, I really can't believe it. About 5 days ago, I started to get extremely tired. I think all the stress from the fracture and just all the suffering that I've been doing since the crash in stage one, I felt like I was starting to lose it a little bit. And Bjarne Riis gave the team, we had a meeting last night and he told us to keep their morale up. And there are 5 days left of the tour and to stay focused and anything is possible. So I think both myself and my teammates, we believed in ourselves and we fought hard today. Oui, c'est vrai que c'était très très difficile après cette chute et d'ailleurs depuis 5 jours j'étais vraiment très très fatiguée. Et je crois que c'était une fatigue qui était surtout mentale due au stress vraiment de toutes ces étapes où j'avais lutté contre cette douleur. Mais hier soir on a fait une réunion avec Bjarne Riis. Et il nous a dit qu'il voulait vraiment que l'équipe aille au bout, qu'on essaie encore de garder un objectif. Et je dois le remercier parce qu'il m'a vraiment soutenu moralement. Ok, thank you very much. Thank you. Tyler Hamilton, vainqueur de l'étape de Bayonne sur ce Tour de France. Coureur sans surprise le plus combatif du jour après sa longue chevauchée. Vainqueur d'étape donc devant un peloton réglé par Eric Zabel devant Youri Christophe. Eric Zabel qui prend donc 17 points au classement du maillot vert, ce qui lui permet de remonter à 13 points derrière Cook en 3e position du maillot vert, derrière donc Baden-Cook, McEwen. Eric Zabel est désormais 3e. Au classement général de ce Tour de France, Lance Armstrong conserve la première place. Pas de changement pour les 5 premiers finalement. Ulrich à 1,07, Vinokourov à 2,45, reste provisoirement sur le podium. Zubeldia, maillot 4e et 5e. Tyler Hamilton gagne une place, il est à 6,35 devant Ivan Basso, premier italien. Christophe Moreau, premier français, est 8e à 11 minutes 12. Richard Virenque est 14e. Didier Rousse 17e et Stéphane Goubert 28e. Voilà pour cette dernière étape pyrénéenne. Demain, le Tour partira vers le nord de Dax à Bordeaux. On remontera ensuite vers Saint-Mexant-l'École avant le grand contre-la-montre entre Pornic et Nantes, 49 km samedi et dimanche, bien sûr, la dernière étape. Le Tour tous les jours sur France Télévisions, sur France 2. Tout de suite, les marches et après le Vélo Club de Gérard Rolls. Bonsoir, merci. Le direct avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène. C'est le miracle dans la nuit de Montreux. Demain soir, dans Trafic.musique, Guillaume Durand retrouve les enfants passage du Festival de Montreux. J'ai appris la clarinette, le piano et puis après j'ai commencé à écrire sur les filles. Avec Stéphane Echer, Kezia Jones, Sushi Laraman et le grand retour de Terence Rendarby. La meilleure manière de provoquer, c'est encore de créer. Les archives inédites de Claude Nobs sur Marvin Gaye. Sa vie, ses émotions. Les légendes du blues, les reportages, Eminem, Björk et toute l'actualité musicale. Et je suis toujours influencé par ma vie. Guillaume Durand vous branche sur Trafic.musique et met le feu au lac à Montreux demain soir sur France 2. Un siècle d'exploits, un siècle d'émotions. Du 5 au 27 juillet, le Tour fête ses 100 ans sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. Les marches du Tour avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2 avec les magasins Vélo et Oxygène.
On peut parler aujourd'hui des marches du courage, des marches du grand retour pour Tyler Hamilton. Souvenez-vous, au début du Tour de France, dans l'étape de Meaux, cette chute, cette fracture de la clavicule, on a craint que Tyler ne soit obligé de quitter le Tour de France. Et aujourd'hui, il gagne magnifiquement, superbement, l'étape de Bayonne sur les marches du Tour. Tyler Hamilton qui apporte à l'équipe CSC une troisième victoire d'étape depuis le départ de ce Tour 2003. Pour l'accueillir sur les marches du Tour, il y a bien sûr Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du Tour, accompagné de M. Jean Grenet, le député maire de Bayonne, de M. Henri Labelle, qui est maire adjoint, de M. Lasserre, le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, de M. Jean Saussier, qui est le maire adjoint chargé des sports, enfin le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne, M. Jean-Marie Beckmans, tous ovationnent Tyler Hamilton. Tyler Hamilton avec Bernard Hinault et avec donc les personnalités dont M. Grenet, le député maire de Bayonne. Tyler Hamilton, troisième victoire d'étape pour l'équipe CSC et une place garantie pratiquement pour le coureur américain parmi les 10 premiers du Tour. Vous l'avez vu tout à l'heure, félicité par Lance Armstrong, dès qu'il a vu que c'était Tyler qui avait remporté cette étape. Il y a entre les deux hommes de l'amitié, de la complicité. Ils ont été coéquipiers, équipiers. On se souvient d'un Dauphiné libéré où ils ont fait 1 et 2. Tyler Hamilton qui s'est battu aujourd'hui dans une étape qui n'était pas facile, avec la succession de cols et de côtes à escalader, mais aussi bien sûr la soixantaine de kilomètres qui restait à accomplir pour arriver à Bayonne et donc remporter cette étape. Les marches du Tour qui célèbrent, honorent aujourd'hui Tyler Hamilton. Et sur le Tour, un autre Américain qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Il s'agit bien sûr de Lance Armstrong. Lance Armstrong, maillot jaune du Tour. Maillot jaune qui l'a conforté au sommet de Luzardiden. Voilà le Lance Armstrong qui est applaudi, vous l'entendez. Il a beaucoup parlé ce matin avant le départ avec Jan Ullrich. De Jan Ullrich qui se souvenait bien sûr qu'il y a 2 ans, dans la descente de Persourde, quand il avait quitté la route, Lance Armstrong l'avait attendu. Et Jan Ullrich qui a expliqué qu'il était tout à fait logique que l'autre jour, lui aussi, quand Lance Armstrong a été victime d'une chute, il a expliqué qu'il était tout à fait logique qu'il attende que Lance Armstrong se relève et revienne sur la route pour repartir vers le sommet de Luzardiden. La mer, Bayonne. Lance Armstrong qui descend avec son beau maillot jaune. Alors tout à l'heure, Lance, vous l'avez vu, a congratulé Tyler Hamilton. Là, il va pouvoir venir directement le féliciter. Alors que Richard Virenque reçoit le maillot blanc à pois rouge du meilleur grimpeur, il est bien sûr assuré depuis plusieurs jours de le conserver, de le garder jusqu'à Paris. Et à côté de moi, Lance Armstrong, Tyler Hamilton, on peut dire, pas de rivaux, deux amis. Lance, c'est un ami, Tyler, ça a été votre équipier ouais. Cette année. Oui, c'est un grand ami, c'est aussi un, comment dire, neighbor, les maisons. À voisin. Oui, dans la même la même situ dans la même ville. Oui, dans la même ville. Et, mais c'est un grand jour. Je crois que c'est le plus grand jour dans cette tour. Vous êtes c'est le plus grand jour auquel vous assistez, la victoire de Tyler. Les réactions de peloton avec le placard, 5 minutes. Après 10 km, 5 minutes, après 10 km. Et deux, trois équipes, rouler. Ouais, c'est pas possible pour
pour conseiller, c'est incroyable. Et il est allé au bout, c'est incroyable. Pascal, je vous laisse traduire à Tyler les propos très élogieux que vient de tenir Lance. So that it's very great what you did today because your time increased and with three teams riding trying to catch you, and it was really incredible that they never could do it. Yeah, I knew I had to give it everything, and I knew when I had a gap of 5 minutes, I knew if I gave it everything then and kept the gap at about 5 minutes, it maybe would break their morale and possibly they'd back off a little bit. Oui, je savais qu'à partir du moment où j'avais creusé un écart d'au moins 5 minutes, il fallait vraiment que je donne le maximum de moi pour conserver cet écart parce que je savais que ça risquait vraiment de leur briser le moral et c'est ce qui s'est passé. Alors Lance, vous concernant aujourd'hui une journée d'observation, de surveillance. Mm-hmm. Oui, aujourd'hui c'est pas facile, c'est très dur, le col de Soudé, le col de Balgogui. C'est vraiment difficile. Ouais, l'école basque, oui. Mais l'équipe US Postal, c'est incroyable aujourd'hui. Avec Josie Capi dans le Bagogui, c'est tout contrôlé, c'est pas de problème, mais c'est pas facile. Et aussi, beaucoup d'humidité, c'est beaucoup de. Ah, c'est pas facile. Merci Lance d'être venu avec nous. Merci Tyler Hamilton d'être venu avec Lance. C'était un plaisir de vous recevoir tous les deux, deux Américains triomphants, deux jours de suite sur le tour. Ça n'arrive pas tous les jours. Merci infiniment. Et nous allons, dans un instant, accueillir près de nous Marina Anissina, qui est bien sûr championne olympique de patinage. Elle va venir nous rejoindre car nous allons accueillir le maillot blanc du tour, le meilleur espoir, qui est russe lui aussi. Il s'agit de Denis Menchov. Nous vous l'avions présenté l'autre jour. Voilà les présentations. Marina Anissina, Denis Menchov, championne olympique de patinage, meilleur espoir pour l'instant du Tour de France. Et c'est tout simplement Marina Anissina en russe qui va m'aider à effectuer cette petite interview de Denis Menchov. Alors Marina Anissina, pouvez-vous d'abord lui demander ce que représente pour lui le fait de porter le maillot de meilleur jeune du Tour de France? Тебя спрашивают, что тебе, как бы, то, что ты майку вот эту белую лучшего, самого молодого велосипедиста, тебе что-то это говорит? Ну, естественно, что я доволен, естественно, потому что вести любую майку на Tour de France, это, ну, очень престижно, естественно, я очень доволен. Или Трезеро и Биосюрки pour lui c'est un très grand prestige на Tour de France avoir le maillot c'est très très important. Alors, il a déjà gagné le Tour de l'avenir. Est-ce qu'il espère un jour remporter le Grand Tour de France? Ты уже что-то выигрывал? Ты надеешь, что ты выиграешь Tour de France когда-нибудь? Со временем, кто её знает, с работы. Будем работать, будем стараться, может быть, и получится. Il va travailler très fort et peut-être, oui, mais il ne sait pas, mais il va travailler, il va faire tout pour ça. Merci, merci beaucoup, Denis Menchov. Merci, Marina. Et c'était c'est pas facile. Je comprends tout, mais pour donner les explications, c'est pas facile. Mais vous patinez toujours aussi bien. Merci. Merci beaucoup, Marina, d'être venue avec nous effectuer cette première interview à la télévision française du maillot blanc du Tour de France, qui est russe. Les coureurs des pays de l'Est ou des ex-pays de l'Est obtiennent de plus en plus des bons résultats et c'est bien sûr très intéressant. Et ils portent le maillot blanc de meilleur jeune du 92, du Conseil général du 92. Merci. Alors, c'est une tradition. Après les marches du Tour, il y a bien sûr le vélo club de Gérard Rolls. Alors Gérard, bonsoir. Et de l'équipe des sports. Oui, Jean-René, bonsoir. Oui, bien sûr, de toute l'équipe Gérard, du vélo club. Alors, vous avez été, j'imagine, comme tout le monde, épaté par ce qu'a fait Hamilton, ce qu'il fait depuis le début, mais surtout ce qu'il a fait encore aujourd'hui. À chaque jour, son histoire, à chaque jour, son exploit. On va y revenir en détail avec un nouveau coup de chance assez extraordinaire ou du professionnalisme. On verra comment on qualifiera ça tout à l'heure. De Philippe Lafond, Pascal Chanteur, donc et Régis Maté et Louis Martin. Notre équipe était ce matin dans les coulisses de CSC avec Bjarne Riis pour le briefing ce matin de Tyler Hamilton et avec une petite interview de Tyler Hamilton ce matin au réveil pour savoir ce qui allait se passer aujourd'hui. C'est particulièrement intéressant après ce qui s'est passé et après l'exploit de Tyler, à qui on va dire merci, car il a été très vite. Donc les coureurs sont très en avance et comme l'émission va jusqu'à 18h08, nous avons pratiquement une heure de vélo club devant nous. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que le team Bianchi, dans son ensemble, avec Jan Ullrich,
sera sur le plateau ici, toute l'équipe autour de Jan Ullrich. Très intéressant évidemment de savoir comment Jan Ullrich va préparer les étapes qui viennent et surtout l'étape contre la montre entre Pornic et Nantes. Et cerise sur le gâteau, Céline Géraud sera à l'hôtel avec l'équipe espagnole des Ibanesto.com pour nous présenter l'ensemble de l'équipe Ibanesto.com, connaître la réaction des Espagnols qui aujourd'hui ont été extraordinaires et en particulier les Basques. Les Basques nous ont offert un grand spectacle sur le bord de la route, malheureusement moins sur la route dans la compétition. On va s'en expliquer tout à l'heure. Voilà, on va revenir aussi sur le portrait de Tyler Hamilton. Qui il est ? David Mallarme est en train de se pencher en ce moment sur les principales images de son tour du centenaire. Voilà, en gros, le menu très excitant de ce vélo club, avec en particulier aussi Gérard Porte qui nous expliquera ce que c'est que se mettre dans le rouge pour des coureurs cyclistes. Parce qu'ils regardent sans arrêt leur poignet ou leur guidon. Ils regardent leur pulsation cardiaque, comme je le fais en ce moment. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, je suis à 82, par exemple. Je suis très énervé parce que le vélo club commence dans quelques secondes, alors que normalement, je vais à 48. On verra tout à l'heure avec Gérard Porte l'importance de cette notion cardiaque. Merci Gérard, joli programme effectivement, plus d'une heure de Vélo Club. Ce soir à 20h30, il y aura le journal du Tour avec Henri Sagnier. Et puis demain, bien sûr, vos rendez-vous habituels. Demain matin à 10h45 sur France 3 avec Henri toujours sur la route du Tour. À partir de 14h autour de Christian Prudhomme, le direct, puis les matchs du Tour, puis le Vélo Club. Puis bien sûr, encore le journal du Tour demain soir. Donc vous le voyez sur France Télévisions, le Tour de France et le cyclisme sont toujours présents jusqu'au 27. Merci. Les marches du Tour, avec Nestlé Aquarelle, l'eau officielle du Tour de France. Et roulez, respirez sur France 2, avec les magasins Vélo et Oxygène.